rousse, pardon, ça va changer. C'est pas très beau, ça. C'est pas très très beau, j'aime pas trop. Ah, ça pourrait être sympa. Non. Attends. Je cherche des couleurs d'œil qui me correspondraient mieux. Parce qu'il y en a là, les pupilles, il y en a, il faut que je les enlève, j'aime pas. Encore celui-là, ça irait bien. Merci, Shen Delzor, pour ton follow, bienvenue. Merci beaucoup. Attendez, je lui change ses yeux. Je vais partir sur une autre base. Parce que, forcément, vous imaginez bien qu'on va tout, on va tout changer. Je pense que je vais partir sur ses yeux-là. Et les bouger. Rousse aux yeux verts. Je crois que je vais garder ces yeux-là. Et on va lui faire une petite modification de ses traits et tout. On va la faire toute belle, toute jolie, vous allez voir. Et j'ai envie qu'elle ait des traits un peu particuliers. Enfin, pas particuliers, mais que j'ai pas l'habitude. Genre, vous voyez son nez, là? Je mets pas forcément des nez comme ça, souvent. Du coup, j'ai bien envie de faire le test, tu vois. Coucou, Jouena, comment tu vas? On va lui faire les oreilles légèrement décollées. On va lui faire ça. Genre, son nez, j'aime bien, mais après, j'ai des presets de nez. Genre, vous voyez, des nez comme ça, que on peut totalement modifier après. Genre, lui... Oh, lui, il a une petite bosse et tout. Ah, ça pourrait être sympa de faire un truc avec ça. Attendez. Il est mignon, ce nez. Hé. Go pour le changement ce soir, c'est ça. On peut lui faire un petit nez comme ça, là. La bouche, je l'aime bien. On va peut-être la descendre légèrement. On va faire comme ceci. Hop. Ok. Je vais déjà partir là-dessus. Je vais faire ça plutôt. Les joues. Du coup, ça lui fait un profil genre spé un peu. Gardez comme ça, là. Et là... On va faire ça. Est-ce que je changerai pas les yeux? Attendez, les yeux, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de mes yeux, là. Est-ce que je partirai pas plutôt sur des yeux comme ça? Coucou, j'ai eu le pack Annelissé, mais je n'ai pas le trait de caractère exigeant, c'est normal. Est-ce que le... Non, si, tu es censé l'avoir. Hein. Tu es censé l'avoir. Ouais, j'aime bien, ça lui change. Merci à Lydien Fidèle pour le follow. Mais j'aime bien le nez, vous voyez, c'est un nez, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir et j'aime bien. Écoutez, je vais rester sur cette base-là. Je vais voir après, on va lui rajouter les CC, on va faire comme d'habitude, vous savez, les dents, elle n'en a plus. On va lui mettre un appareil dentaire. Ah, on peut changer la couleur des bagues. Ah non, c'est la couleur des dents qu'on change. Ouais, les dents, on va lui mettre moins blanches, genre comme ça. Ok, et maintenant on va regarder. Alors on pourrait faire ça, ça fait très jeune, faut qu'elle fasse quand même adolescente. En plus soft, ça donnerait ceci. C'est pas dans le pack lycée. Ah, tu vois, j'avais un doute, je ne savais pas. Je n'étais plus très sûre. On a ça, mais ça lui fait des petites ridules et tout. Je suis pas sûre d'avoir envie de mettre ceci. Oh, ça c'est joli. Je vais la faire rousse. On a choisi qu'on allait la faire rousse avec plein de taches de rousseur et tout. Genre celui-là, c'est pas trop mal, hein. En plus, on dirait que son nez, il a un petit défaut, genre il est tordu ou quoi. J'aime bien. Pour les cils, alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Peut-être qu'on va lui mettre des cils plus légers. Qu'est-ce que j'ai? Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien sur elle. Je vais garder ça. Fais voir ça, sinon. Ouais, non, je préfère avant. J'ai que mal à l'aise en société, fêtard et élève brillant. Bah, je pense qu'il n'y a que ça, du coup. Il doit y avoir que ça. Non, je vais pas mettre ceci. Ah, bah yes. On a fait nimp. Pour que ça devienne une peste, il faut faire une bad bitch. J'ai pas prévu de la faire bad bitch. Moi, j'ai prévu pour le moment de la faire un peu normale, entre guillemets. Tâche de rousseur. C'est vrai qu'on a eu des nouvelles tâches de rousseur aussi avec le pack. Et moi, j'ai envie de lui mettre les miennes. Ah ouais, non mais là... on est à fond, hein. On est à fond. Fraise Coco, merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton Prime. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à mettre plein de subs dans le chat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Ça, c'est peut-être un peu trop moucheté. Peut-être que, ouais. Attendez, je cherche. J'aime bien lui. J'aime bien lui pour une petite rouquine, ça peut être très joli. On laisse comme ça et on verra après. Pour les yeux, on va lui mettre ça. Because j'aime. J'adore. On va lui mettre
Pas autant, pas autant. Ça, ouais, ça j'aime bien. J'ai bien envie de te rajouter des petits overlays là. Au niveau de la bouche. J'ai été voir ça avec le pack spa. Ah, merci de l'info, Stitch. Merci, merci de l'info. C'est cool. Cicatrice et tout, on va pas lui en mettre. J'ai pas forcément envie. Couleur de peau, on est ok. Les cheveux. Alors, je vais partir sur DCC. Hein. Je vais partir sur DCC parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'adore les contenus personnalisés. Genre, vraiment, j'aime beaucoup. Mais pour les fringues, on n'en mettra pas trop. On n'en mettra pas trop pour exploiter un peu tout ça, quoi. Le pack lissé. Mais regardez comme elle est chou. Est-ce qu'on lui fait une frange ou les cheveux courts ou je sais pas? Parce que c'est vrai que je fais beaucoup mes Sims avec les cheveux longs. Et j'ai pas... Non, je l'utilise déjà ça. Et genre, j'ai pas trop l'occasion d'utiliser des cheveux courts, vous voyez. On va lui en mettre très légèrement du maquillage. Faut pas oublier que c'est une adolescente. Donc, elle s'affirmera au fur et à mesure. Mais le maquillage, pas trop trop quoi. Non, ça lui va pas. Moi, je trouve qu'on peut lui mettre... On peut lui mettre une coupe comme ça. On peut lui en mettre une comme ça. Rousse avec de jolies boucles longues. Eh, mais après, les boucles, est-ce que j'en ai assez, quoi? Est-ce que j'en ai assez, des boucles? Et est-ce que j'en ai des biens? Ça, c'est cassé, non? Ça, celui-là, il est cassé. Ouais, il faut que je le retélécharge. Il y a cette coupe de cheveux-là. Je réfléchis, du coup je vais tout louper ou tu fais des rediffs. Les rediffs elles sont dispo sur Twitch mais vous avez ma chaîne de VOD ici. On dirait trop une elfe, trop mimi. Oh c'est gentil. C'est vrai que c'est beau les elfes. Regarde là elle fait encore plus elfe avec cette coupe là. Sinon il y a ça, oh non elle est pétée. Ah oh, je vais crever. Oh, regardez celle-là. Regardez celle-là. Ça fait boucler un peu. La frange et tout, elle fait trop ado. Elle fait trop ado. Elle est trop jolie comme ça. Non? Moi j'aime bien. Hein, j'aime grave bien. La bouche. La bouche, la bouche, la bouche. On va tenter de lui trouver une bouche comme ça. Ça fait un effet un peu naturel. On va baisser encore plus légèrement. Attends, est-ce que j'ai pas une teinte plus sympa? Hop. Non, c'est trop. Ça j'aime bien. Hop, effet de lèvres naturelles. Et est-ce qu'on lui mettrait pas un tout petit liner, mais genre léger? C'est pas léger ça. C'est pas du tout léger, attends. Attendez, attendez. J'en ai plein d'autres normalement. Mais celui-là, ouais, celui-là ça irait bien en vrai. Bonjour Lycosia, comment ça va? Ce CC est superbe, j'adore la frange bouclée. Elle est jolie hein? Trop trop bien. Ok, ben je vais valider ça. Pour le moment, au niveau de ses formes. Merci Azen... Attends. Azernocht. Excuse-moi si je t'ai explosé ton pseudo. Merci beaucoup pour ton follow. Je vais t'appeler Azé. Merci, merci. On va pas lui mettre beaucoup de ça. Hein. 16 ans. Hop, comme ça, c'est bien. Des petites cuisses, parce que j'ai envie. Les épaules, on va les élargir très légèrement. Et puis, c'est bon. Ok. Ça va très bien, Lycosia. Merci. Trop mimi, j'aime trop. C'est vrai, vous aimez. Non, pas catégorie de tenue. Je voulais mettre pack. Et on va mettre Sbra année lycée. Ok. Alors, on lui donne quel style? Moi, j'imaginais un style un peu BCBG, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'imaginais vraiment un style comme ça. Un peu en mode, ouais, BCBG et tout. Parce que c'est pas du tout la populaire de l'école encore pour l'instant. Marina, merci pour ton follow aussi. Bienvenue à toi. C'est pas la populaire de l'école de rien du tout. Là, elle est chez elle. Elle sait pas où elle va, tu vois. Elle arrive, elle débarque, elle s'est pas trop affirmée encore en termes de caractère, vous voyez ce que je veux dire? Mais déjà, elle est sûre d'elle. C'est une nana qui a confiance en elle. Pour 16 ans, c'est bien, mais elle garde quand même des insécurités. Azé, c'est bien. Azé ou Az? J'ai aucun mode, donc voir une Sims aussi adorable me comble de bonheur. J'adore ce que t'écris, j'adore ce que tu dis. Ça, c'est mignon. Alors... Non, mais par contre, pas de jogging. Je l'imagine pas comme ça. En tenue de corps entier, je vais vous montrer aussi. Parce que comme ça, ça permet peut-être aux personnes qui n'ont pas encore pu découvrir le pack année lycée de voir aussi ce qu'il y a dedans. Je vais pas faire toutes les tenues. Hein, je vais pas toutes vous les représenter parce que pour moi, c'est pas trop utile. Vous pourrez le faire de vous-même sur YouTube ou en l'achetant ou quoi que ce soit. Mais au moins, vous explorez avec moi. C'est trop beau, ça. Attendez, c'est quoi les couleurs qui iraient bien avec le roux? Le vert, ça va très bien hein, chez les roux, non? Mais ça,
Ça, c'est pas son style. Je l'imagine pas habillée comme ça, vous voyez. Ça, c'est quoi? Ah oui, non, non. Ça, c'est pas comme ça que je l'imagine non plus. En vrai, j'aime bien ça. Elle est magnifique, on dirait la jeune fille brillante de l'école toute timide. Après, elle veut succeed. Elle veut réussir, tu vois, dans la vie. Il y a la rediff sur Instant Gaming de la présentation du pack, de toute façon. Il me semble que oui. Il me semble que ouais. Sinon, il y a ce haut-là, mais on peut pas changer le swatch. Et il y a un haut que j'aime beaucoup, mais on peut lui donner un style un peu kawaii. Le bordeaux et le vert, c'est ça. Non. Ou alors ça, ça fait fille très sage. Est-ce qu'on a vraiment envie de lui donner un look sage à elle? Faut voir ça. Il y a un style à la fois chou et badass. Il faut que je trouve. Hein. Faut que je trouve. Il y a ça. C'est beau ça. C'est beau ça. Ça c'est trop habillé. Sinon il y a eux là. Regardez. Mais ça, ça fait geek. Enfin ça fait geek. On se comprend. Ah, ça c'est joli. Fais voir. Oh ah oui, j'avais pas vu, hein. Ouais, c'est ça, Sissi. Tu peux t'aider en utilisant des nouveaux filtres, les nouveaux filtres de style. Ouais, mais tu sais, j'ai peur que l'interprétation soit pas la même du style, tu vois ce que je veux dire? Genre, si pour moi, eux, ils vont dire BCBG, et moi, je vais dire, bah non, pour moi, c'est pas BCBG. En vrai, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Azé, ok, ça marche. On a eu un nouveau follow, non? Que j'ai pas remercié, je crois. Lilema, merci pour ton follow, bienvenue. Je galère. Ah, ça! C'est cool, ça. Ça peut être grave stylé. Merci, Inès, pour ton follow, bienvenue. On dirait une employée de bureau. Oh, ça, c'est si chou. Oh, c'est trop chou, ça, non? Après, pour aller au lycée, est-ce qu'on l'imagine vraiment être habillée comme ça? C'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Est-ce qu'on imagine la fille habillée comme ça pour aller au lycée? Je vais regarder en bas ce qu'on a aussi, ce qui pourrait aller ensemble. Ouais, c'est ce que je mets. Un gros baggy ou quoi? Genre, il y aurait... franchement, ça peut faire un style, hein. Alors ça, c'est... Je peux pas changer le swatch de ce truc-là. Jupe, non. Non, je ne pense pas. Mais le taille basse, vous voyez, je suis pas d'accord avec ce taille basse. Ah non, mais là, elle va dans... Là, c'est année disco, là. Là, ça fait un peu année disco. Sinon, il y a ça. Mais je trouve que là, ça fait trop habillé, vous voyez. Sinon, après, honnêtement, de vous à moi, on se prend un petit CC pour le jean. C'est pas très gênant, de toute façon. C'est pas très gênant, parce que moi, j'en ai, hein. Moi, j'en ai, hein, du CC. Mais je suis pas sûre de la couleur du coup. Est-ce qu'on le prendrait pas en noir? Mais ça va pas, voyez. Ouais, le CC au bout d'un moment, il prend trop la place. Sinon j'ai ça. J'ai ça. Sinon j'ai ça. Ah ouais, vous trouvez que ça allait mieux avec l'autre? Moi j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là moi. C'est quoi avec du vert? Ah, genre militaire et tout. J'aime bien celui-là, sur elle, en vrai. Ah, sinon, il y a lui. Il y a lui, il est beaucoup plus sympa. Mais en fait, c'est le haut qui me gêne. En noir. Sinon, j'ai vraiment pas de def, mais bon. Moi, je me dis, celui-là en noir, non? Et on lui met des converses ou quoi? Basket, on va se mettre... Alors, celles de loup-garou, elles sont bien. Elles sont où? Celles de loup-garou, là. En noir, c'est joli. Ouais, c'est pas mal en noir, en vrai. Et elle peut les barioler comme ça. Ou alors en vert. Classique, basique. Moi, j'aime bien ça. Mais je suis pas... Enfin, j'aime bien, mais je suis pas sûre... Je suis pas sûre du haut, hein. Il me rend très perplexe, ce haut. Je vais lui mettre des ongles de... Je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, Claire. Je pense que je vais garder ce jean, mais je vais essayer de trouver un autre haut. Parce que il me plaît pas, en fait. Enfin, il me plaît pas. Il est très joli, hein. C'est pas la question. Mais je trouve qu'il va pas du tout avec... avec la vibe.
Ça, c'est mieux déjà. Ça, c'est un jogging. Ça, c'est quoi? Non, ça va pas ensemble. C'est osé, hein. C'est osé un peu. Sinon, ouais, moi, je crois que j'ai des gilets. Il me semble que j'ai des gilets dans mes accessoires, mais où? Ah, ou alors, est-ce que je l'ai supprimé? Non. J'ai plus mon gilet? Tu mens. Ouais, non, j'ai plus mon gilet, je crois. Oh, non, j'ai plus mon gilet. Je pense que je l'ai supprimé, les amis. Attendez, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je vais essayer de trouver ça. Ça va et toi, Megan? Viens, viens, viens. J'essaye de trouver mon gilet. J'ai un doute. J'ai un doute. Ouais, non, j'ai plus. J'ai plus. C'est dur de créer des Sims quand on est trop investi. Quand on est trop investi, c'est dur. Coucou, tes CC et mods ne sont pas cassés avec la nouvelle maj... J'en ai mis à jour une grande majorité à Bidiboop. Le haut est trop beau, même si c'est osé, typiquement, c'est le truc que je peux porter parce que j'ai pas autant de confiance. Après, c'est vrai qu'elle a la confiance en elle, en soi. Hein. Il y a celui-là, sinon. Il y a celui-là. Il fait très ado bariolé, quoi. Ah, oh, regardez comme ça. Lui mettre en noir les choses. Comme ça. Moi, j'aime bien ça. Je le trouve très joli, celui-là. Mais du coup, je pense que le jean, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Je crois que je vais lui mettre un jean de base. Hein. Ouais. On va pas se fouler 420 ans. Là, on va lui mettre un jean de base. Et je pense que je vais lui mettre ce haut parce que je trouve qu'il lui va trop bien. Ce haut lui va bien. Hein. Sinon, on reste là-dessus. Et vu qu'il est taille haute, ça fait moins osé. Voilà. Merci Michael pour ton follow, bienvenue. Comme ça. Ah merci, j'avais pas envie du tout de re-télécharger, mais je vais devoir y passer. Ouais, 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 t'as des grosses mises à jour qui sont disponibles. Et merci pour ton follow du coup, Bidiboop. Bienvenue, ça me fait plaisir. Et on va mettre comme ça là. Moi j'aime bien. Je vais lui rajouter des boucles d'oreilles. Parce que je suis sûre qu'elle en a, ok? Des petites boucles d'oreilles. On a eu quoi avec le pack lycée? On n'a pas eu de boucles d'oreilles, déjà, ça c'est sûr et certain. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Pas de boucles d'oreilles qui tiennent. Et on a des trucs genre... Oh! Mais oui, elle fait tellement ado! J'adorais le combo. Bah après, on pourra lui faire plusieurs tenues ou quoi, hein. On pourra lui en faire des tenues, hein, franchement. C'est tout. Merci du coup pour tous les follow. Bienvenue à tous ceux qui débarquent. Attendez, je vais vous remercier, je vous lis. Merci Jason et merci Zapf pour le follow aussi. Bienvenue. Merci beaucoup. Allez, j'aime bien comme ça. Camilou, coucou, comment ça va? Ouais, j'aime bien là. J'aime bien, j'aime bien. Je vais valider ça. Waouh. Par contre, catastrophe. On y retournera au pire. Année lycée. On va lui mettre cette robe-ci parce que je n'ai pas eu trop l'occasion de la mettre à part à la Miss Cassandra Gothique. Et fais voir en vert. J'aime pas les couleurs sur elle, fais voir ça. J'aime pas du tout les couleurs sur elle. Ah, ça, ah, celle-là, elle va très bien par contre. Coucou Lola, comment ça va? On va lui mettre des petits talons, mais de toute façon, on les verra pas. On va lui rajouter les ongles de main. Pareil, on va pas lui mettre trop long. On va... Je pense que... On pourrait faire du plus simple. Elle pourrait mettre peut-être du rouge. Non, peut-être pas rouge. Violet comme ça. Ouais, elle est jolie la robe, ouais. Elle est carrément belle. Par contre, les accessoires, on peut en parler ou bien? Boucle d'oreille, s'il vous plaît. Hop, on va enlever année lycée. Qu'est-ce qu'on a de sympa? On peut mettre ça, ça fait grave ado avec le petit piercing et tout. Du coup, je lui remettrai là-bas aussi. On va lui mettre en argent. Juste pour cet ensemble-là. Ah, ou en or, comme ça. Ouais, ça va trop bien ensemble. Un petit peu de maquillage, mais genre très léger. Alors, je viens de dire très léger, hein.
va lui mettre un... Ouais, le gloss là, il est cool. Du coup, pour ceux qui demandent si jamais, on a eu des nouveaux make-up avec le pack année lycée. Voilà, on a eu ça. Donc je vais lui mettre. Et je vais alléger un peu et lui mettre un trait de liner. Comme ça, genre. Ah non, ça lui fait une tête qui tombe. Oula, une tête qui tombe, des yeux qui tombent, je veux dire. Ah, ça c'est joli sur elle. Hello, je suis nouveau, je t'ai vu sur TikTok, du coup j'ai installé Twitch. Merci Jason, bienvenue à toi. Coucou Rafou, comment tu vas? Comment tu vas? Pour ceux qui arrivent, les amis, si jamais vous vous demandez ce qu'on est en train de faire, vous pouvez faire le point d'exclamation Let's Play. On est en train de créer le personnage principal du nouveau gameplay, la nouvelle série, qui s'appelle 16 ans malgré elle, qui va traiter du coup d'une adolescente qui va vivre sa vie d'adolescence justement dans un lycée, etc. Et du coup, c'est aussi un peu comme la série qu'on faisait, mais bon, peut-être que vous ne le savez pas pour tous les nouveaux arrivants. J'ai une série, merci Frozen Fox aussi pour le follow, bienvenue. J'ai une série aussi avec les loups-garous, et du coup, on fait un peu le même système, c'est-à-dire que là on va se concentrer sur le gameplay année lycée. Voilà. Ah, il est un peu glitché, c'est très relou ça. Merci Gtop pour ton follow aussi, bienvenue. Comment ça va mon Rafou? Oui, ça va, merci. Je vais bien. J'aime bien ça. Y a pas une couleur qui irait? Ah, ça va pas. Dommage parce que et en blanc. C'est trop mignon, imaginez-la, elle va au bal de promo comme ça. Non mais elle peut aller au bal de promo comme ça là, hein. Clairement, par contre je vais pas lui mettre de... Faut que je sauvegarde. Vite. Faut... Je vais pas lui mettre de... Comment ça s'appelle? De collier. Parce que c'est pas possible quoi. Et merci à... Ça charge. À Isus pour ton follow, bienvenue. Faut pas faire fondre les cœurs des gens comme ça, madame. Pardon, excusez-moi. Veuillez m'excuser. Oula, oh là 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 là. Ah, les PNJ, hein, les tenues de PNJ, c'est juste aberrant. On va enlever tenue de sport. En vrai, je l'imagine pas méga sportive non plus. Et si je lui mettais une tenue, ouais non, là les tenues de sport, on n'a pas grand chose entre guillemets. Je pense que je vais lui mettre ce haut là. Du coup, j'hésitais tout à l'heure avec ça. On va le lui mettre. Bah en vrai le violet lui allait bien, qu'est-ce que vous en pensez? C'est criard après hein. Ouh celui-là mieux, par contre le piercing on peut en discuter madame ou c'est comment? Voilà merci bien. Elle est prête pour le tennis de ouf. Elle est carrément prête pour le tennis je vous le dis moi. On va faire ça, ensuite en pantalon on a ce jogging là. Et année lycée on a rien en bas, si on doit avoir quand même. Pack année lycée, ah ouais. Et si j'enlève féminin et que je remets année lycée, est-ce que ça irait? Non, c'est méga taille basse. J'aime pas le fait qu'il soit taille basse, je suis navrée. Du coup, je vais mettre mes joggings à moi. Je vais me mettre un petit jogging à moi, là. De quelle couleur? Est-ce que j'ai une couleur qui va être assortie? Jaune? C'est pas exactement le même jaune. Violet. Ah, c'est pas pastel en fait. Je sais pas. Coucou Cyrilou, comment tu vas? Salut Camille, bienvenue à toi sur le chat. Les couleurs vont pas ensemble. Ça me fout droit. Là, ça va être au criard. Ouais. Un cycliste, j'ai ça. J'ai, mais... Les couleurs vont pas en fait, ça me dérange. Oh, oh! Comme ça! Ça fait un dégradé. Je crois qu'ils ont pas compris que tous les ados portent pas du taille basse à chaque tenue. Oui, après, j'aurais aimé avoir plus de taille haute, ouais. Ça va mieux, je me sens mieux. Ça va, je me sens mieux. Ma carte graphique fait grève, par contre, le plaisir, c'est pas vrai. Ta carte graphique, t'es sérieuse ou quoi? Abuse pas, ma pauvre. Fais chier, merde. Merci Nemo pour ton follow, bienvenue. Bienvenue. Sachez que, par contre, à Nélissé, on n'a pas de chaussures. On a une paire de bases. On a deux chaussures. On a deux paires de chaussures. Franchement, je vais lui mettre ça. Elle est trop mignonne. Salut Isaline, comment tu vas? Je peux pas tourner, elle chauffe de ouf. Et fait lag OBS. On est... Ah bah, il faut que tu éteignes ton PC, je pense, là. Faut que tu éteignes ton petit PC. Très gentiment. Elle est trop prête à détruire tous les gars de l'équipe de basket. C'est ça. Mais je te dis, après, je l'imaginais pas forcément hyper sportive, tu vois. Mais quand bien même, je pense que ça pourrait lui aller. Elle va garder son collier porte-bonheur. Quoi?
D'accord, donc le collier ne va pas avec le haut. Tu ne peux pas mettre le collier avec le haut. Je chiale, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je regardais en lurk. Ah bah c'est gentil de venir me suivre. Comment ça va Nemo? Et merci Arzizra pour le follow aussi, bienvenue. Ça va très bien, merci. Et le meilleur ami des PC en état, ce sont des ventilateurs. Oui. Oui. Tes ventilos, ils sont en PLS ou quoi? Cyril? Bon, on va faire ça. Tenue de dodo, je sais déjà. Il n'y a même pas de sujet. On va enlever sommeil. Je veux utiliser des... Ok. Je veux utiliser le pack lissé. Par contre, Picasso qui a dessiné sur ton fringue, là, c'est quoi? On peut lui mettre quoi? Celui-là, ça lui irait bien. Attendez, on regarde tous les swatchs. Oh, ouais, c'est... Faut pas avoir peur, hein, par contre, hein. Au niveau des yeux, là... Le bleu, j'aime pas sur elle. En vrai, j'aimais bien lui. Attendez, non, c'était pas lui, c'était lui. Avec du orange. Non? Ça va, merci Nemo. N'empêche, on est deux fois plus nombreux que d'habitude. Je sais pas si t'as remarqué. On est combien? Oh! Ah oui, merci! Merci d'être là! Merci! Mais comme je disais, ça chauffe que quand je lance les Sims. Ah merde! Merci d'être aussi nombreux, vous me faites trop plaisir. Je vais lui mettre ces petites chaussettes. Une couleur qui va bien. Ça ira très très bien. Hello Valentine, comment tu vas? Tenue de fête. Ha! Tenue de fête. Il y a cette robette que je n'ai pas encore mise. Mais bof. Il y a celle-là. Alors celle-là, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Je viens de capter là. Je viens de capter les lunettas, c'est n'importe quoi. Je pense que je vais lui mettre cette même robe. Je l'ai mise hein, l'autre fois. Mais c'est pas grave, c'est une adolescente. Et les chaussures vont bien en vrai. Parce que du coup je vais vous montrer les chaussures qu'on a avec le pack lissé. On a celle-là. De paire. On a ça et on a ça. Et franchement celles-ci ce sont pas du tout mes préférées. À la limite en noir. Mais les coutures me... Je suis pas fan des coutures. Après, à la limite, le marron et le vert, je sais que ça peut aller ensemble. Il y a quoi d'autre sinon comme couleur? Il y a du noir comme ça. Il y a du bordeaux. Je pense que je vais lui laisser cette couleur-là. Mais par contre, les chaussures, à la limite, on va lui mettre les ouvertes. Ouais. On va faire ça. On va lui mettre... Non. Je voulais les pieds, moi. Je vais lui mettre petite couleur genre... Comme ça. Hop. Voilà. Et on va lui mettre du vernis. Je rappelle pour ceux qui sont en train de nous rejoindre et qui débarquent, nous commençons un nouveau let's play. On est en train de créer le personnage principal. Vous pouvez faire du coup le point d'exclamation let's play pour vous informer de ce que c'est. Et on va pas tarder à commencer à jouer. Je vais lui mettre du rouge comme ça. Très mignonne. Très 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 mignonne. Qu'est-ce que vous en dites dans le chat là pour l'instant? Est-ce que vous aimez bien la tête de madame? La cimette? Moi, je l'aime bien, je la trouve très jolie. Je la trouve trop belle. Fais voir. C'est trop pépé pour toi, ça. Elle est cute, ouais. Je la mettrai sur le Discord. Merci beaucoup, Valentine, pour ton 3e mois d'abonnement. Merci infiniment. Trop belle. Ah, bah, si elle te plaît, c'est le principal. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci, merci. C'est trop bien, en fait, le liner comme ça, là, je viens de capter. Et un petit liner vert, là, en mode... bah, c'est une ado, quoi. Excusez-moi, mais je vois rien. Genre, mon écran est tout noir, c'est normal. Si t'es sur PC, fais F5. Si t'es sur téléphone, sors de l'appli et reviens. Oui, elle est trop belle. Ah, s'il vous plaît, c'est trop cool. C'est trop, trop cool, s'il vous plaît. J'adore. 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 On n'a pas eu de maillot avec le nouveau pack, donc on va lui mettre un truc... Un basico-basique, genre. On va enlever année lycée. On va lui mettre celui-là. Le vert me casse la tête. Alors peut-être pas en orange, en vert comme ça. Ouais. Ouais, ça lui ira très bien. Et ça, est-ce que j'ai une couleur qui va avec? Non, mais j'ai bien envie de lui mettre du dépareillé, moi. Un petit dépareillé, là. Je sais pas trop. Merci Psycho Gluck pour ton follow, bienvenue, merci beaucoup. Merci de votre soutien incroyable, ces jours-ci vous êtes au taquet.
Merci beaucoup. Je vais lui mettre du noir. J'ai essayé sur mon PC. Ouais, peut-être qu'il vaut mieux, oui. Sait-on jamais. Le téléphone, des fois, ça peut bugger. Twitch, c'est chiant. Les lunettes, on va les lui mettre au-dessus de sa tête. Genre. Genre, la fille, elle est à fond, tu vois. Hop là, les lunettes, comme ça. J'aime bien. Ici, tenue de temps chaud. Ça lui va bien, cette tenue de temps chaud. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que vous en dites. Je vais regarder encore avec année lycée ce qu'on a. Hop. Ça lui va pas, cette robe. Ça ne lui va pas. Je n'aime pas du tout. Je n'aime absolument pas. Pâques, année lycée. Ok. Alors, il y a ce haut-là. Eh ben, on pourrait mettre celui-là pour la tenue de temps chaud. Ah non, mais on l'a mis... Mais... Oh, bougre. Bougre. Attendez, si je fais ça en vert comme ça, ça peut être joli en tenue de temps chaud. Et est-ce qu'on n'aurait pas... Moi, j'avais vu un jean. Je sais plus avec lequel il vient. Attendez. Jean. C'est pas un CC. Pour le coup, je vais enlever temps chaud. Je vais remettre... C'est où? Catégorie de tenue, pas du tout. Contenu, acheté, bloqué. Style, mais voilà, féminin. Et c'était celui-là. Je l'adore, vraiment. Elle pourrait lui aller la robe si elle était plus plate. Si elle était plus plate et pas volante. Bah sur elle, c'est vrai que ça lui va pas de fou. Je suis pas fan, tu vois. Ça fait trop summer. J'aime bien. Ah, je dois parler en anglais avec mon pire accent? Purée, vous êtes sérieux de me faire ça? Vous êtes sérieux? Je dois parler pendant 5 minutes avec mon pire accent anglais, quoi. Oh non. Ok, attendez. 2 secondes. On respire par le nez. C'est à ce moment-là où les gens ils vont se dire « Cette streameuse est folle. » Ok, pendant 5 minutes, je dois parler avec mon pire accent anglais, le pire de la terre entière. C'est parti, dans 3, 2, 1. Top. Ok. I'm going to put the, you know, ça là, the collier, because we love this collier porte-bonheur, and with this watch, it's very, very good. I'm not going to the makeup beaucoup, too much, hein, voilà, oh, this makeup is very good, wait, oh, I like it so much, hein, ah, vraiment much, hein. This color. Thank you for the Véronique Cyril Wu. Yes, I have no choice, I have to speak like that. Vraiment, it's very pas cool, hein. It's very I don't understand, hein. Ooh, berk, this is very disgusting, ça. Ah, this is cool, ça. This is cool, like that. Yeah. Like this. Tududu. Est-ce que... Les modos, est-ce que vous pouvez aider Valentine, s'il vous plaît, sur le Discord pour lui dire comment on fait? S'il vous plaît. Je vais lui grossir un petit peu plus. C'est... Oh, non, I have to speak in English. Yes, very good, very well. Oh my god. God help me. Well, what I have in... Ah, in tenue de temps froid, we have not beaucoup de choses. I'm going to put her this because this is cool and beautiful. Like that. Yeah, like that. No, not caro. Oh, caro is... I don't know, bro. I don't know. Bonsoir, Tismé. How are you? I'm fine, and you? I can't do this anymore, hein, vraiment. I'm going to put the collant. How old are you? Yes. You're right. My accent is incredible. Thank you very much for that. I know I have a very, very good accent. But I precise, hein? This is not my real accent. I'm doing this pour he rigoler, hein? Ok? Donc, please, don't croire that I am speaking like that. Thank you so much. Oh, I love this liner. She has a very beautiful eyes for the liner. I like it. Oh là là, il me reste 2 minutes 27. Ok. Ooh, this is so cute. This is so cute, comme ça. Like this. Yeah. Can I put another liner? No, I cannot.
I cannot. Les bilingues anglophones doivent pleurer. Yes, they are very crying actually, right now. But oui, Osef, hein. Oui, Osef de ouf. Oui, Osef. I'm going to put her un bonnet. Oh, she's so cute. She's very cute. Look at her. Oh. Oh, God. Look at this. Oui, Osef. I need to change mon fond. What color? What color? If you don't say to me what color to change my fond, I cannot change le fond. Ah, she's a very beautiful girl, yes. Orange? Ah! What the hell? Oh! Ah ouais, this is very orange, hein. What the fuck is this? Ah, you cannot watch. Please wait a minute. I cannot do everything. Thank you, Sarah, for the follow. Bienvenue. Thank you very much. Thank you very much. play... I need to put the piercing. Yes. Yes, yes, yes. In white. This is so cool. This is so, so cool. Can I put some bracelet? Bracelet. I don't know if it's okay. Oh, I can put this. Okay, I can put this. I have that. I have them. Oh, them are very bien mieux. Hein. Ah, they are vraiment trop la base. Hein. And them too, hein. Them too, hein. Ah, merci mon dieu. Je peux reparler en français, j'en peux plus. Ouais, mon accent est pépite. Juste, quand même, je préfère le dire. Je fais exprès de parler comme ça. Hein. Je parle pas vraiment comme ça en anglais, vous imaginez, sinon. Je risquerais de crever. Quel enfer. Ouais, du coup, on a dit orange. Jade, merci pour ton follow, bienvenue. Et ouais, c'est 5 minutes. Attendez, TikTok. TikTok, ils sont en sueur, là. J'essaye de vous faire un truc, là, orange. Touchy, un peu, hein. Je vais essayer. J'essaye de faire du orange... Eh, à la caméra, je sais pas si ça va ressortir correctement, l'orange. Vous voyez, là, ça change, mais... C'est pas fou. Vous voulez pas une autre couleur à part orange? Parce qu'apparemment, l'orange, il a pas envie. Hein. Attendez, si j'essaye à ma droite... Couleur. J'essaye. Hein. Et vous voyez pas orange, vous? Vous voyez, c'est blanc, en fait, à la caméra. C'est very chiant, hein. Comme ça. Ouais, tu vois, vous voyez rose, bizarre. Alors que pour moi, c'est censé être orange. Et là, vous voyez rose, alors que c'est orange pour moi. Genre, moi, là, je vois du orange. Et pas vous. Tout. Non, mais c'est pas grave, dites-moi une autre couleur, au pire. On peut partir sur autre chose, un truc différent. Je sais pas. Là, on peut garder bleu, par exemple. Et là, j'essaye un truc encore. Hein. Ouais, mais non. Orange, ça va pas sortir carrément bien, quoi. Du vert. Attendez, j'essaye. Vous voyez comment, là? Là, vous voyez vert un peu? Là, c'est vert. Là, c'est vert. Hop. Et je vais essayer. Voilà. On peut faire comme ça. Je peux pas faire plus. Pour moi, on est dans de la verdure, je vous raconte pas. Ok. Donc là, c'est la 6 mètres. Franchement, elle est très jolie. Je sais pas ce que vous en dites. Je vais lui mettre des tout petits piercings encore aux oreilles, mais très légers. Parce que j'avais dit que je le ferais. Est-ce qu'on la valide? Parce qu'il faut quand même qu'on commence à jouer. Genre ceux-là, tu vois, je les aime bien. Je les aime bien, on peut les mettre. Vu qu'il y a certaines tenues où elle est comme ça. Tu es dans la nature, Sissou, c'est ça. Sur TikTok, on voit que c'est hyper vert. On le voit, de fou. Ok, écoutez, on va valider. Alors attendez.
Ah, ouais, je pense qu'on valide. Ok, on est parti. On va pouvoir commencer à jouer, du coup, pour ceux qui débarquent, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à faire le point d'exclamation Let's Play pour savoir ce que c'est. Comme Let's Play, on commence l'épisode 1. Du coup, voici Mae Tisdale en tenue quotidienne. Je vais la prendre en photo, je vais la mettre sur le Discord. Hop, on va la mettre de profil comme ça aussi. Ah non, on va faire un autre truc. On va créer ses parents, non, quand même. Ah non, 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 elle est... ouais, non, c'est bon, je sais ce que je vais faire. En tenue habillée. En tenue de sport. En tenue de dodo. En tenue de fête. En maillot de bain. En tenue de temps chaud. Et en tenue de temps froid. Et en maillot de bain, j'aimerais bien lui rajouter, parce que j'y pense tant que j'y suis. Hop, ce collier qui ira très très bien avec la tenue de maillot de bain. Elle est très mignonne, ouais, j'aime trop. J'aime trop. Hop là, allez, on la pose. Ils sont cool, les CC que tu as mis, merci. Alors, où c'est qu'on va la poser? On peut la mettre. Ouais, ça c'est. Du coup, je les ai mis là. On peut la mettre. On peut faire une coloc. Salut, Pitchissime, comment ça va? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une coloc avec d'autres ados? I love your stream, thank you, Pitchy. Soit. On la met dans un terrain vague en mode on construit une maison et tout, soit on la met en colocation. Je pense que la colocation, ça pourrait être très 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 stylé. Et on la mettrait du coup avec nos potes quoi. Avec nos potes test. Ouais. Avec nos frères jumeaux. Par contre, j'ai plus la maison. Je vous ai dit, j'ai supprimé ma sauvegarde. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la galerie, on va se télécharger une maison sympa et on lui fera sa chambre au fur et à mesure. Une coloc pour avoir drama dans la colocation. Grave! Et on ajoutera des gens. Ouais, on va carrément faire ça. Salut Marco, comment ça va? Bienvenue sur le chat. Merci. Il fait chaud, hein? C'est horrible, hein? T'as vu? Qui êtes-vous? Qui est-elle, la rouquine, là? Ok, ah là, mais lui, il est pas là. Ok. Viens, Dustin. Alors, ce que je vais faire. On va aller, du coup, je vais pas construire, hein. On va aller dans la galerie et on va aller se trouver une colocation. Pour ceux qui demandent, ceux qui me cherchent, c'est Sissourine dans la galerie, si jamais, parce que je sais que vous êtes plusieurs à me poser la question. Du coup, vous pouvez aller me chercher là-bas. On va faire terrain. Un coloc. Ah ben, j'ai déjà lu le message. J'ai déjà lu le message. On est en 20 par 15. Et si je mets coloc, peut-être hashtag, c'est peut-être mieux. Pas idée, hashtag, coloc. Je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Si jamais dans le chat, vous avez des bonnes adresses, on va dire, de gens qui ont fait des super belles colocs et tout, dites-moi. Résidence Brightchester. Eh ouais, mais c'est pour Brightchester, genre. Qu'est-ce qu'il y aurait de cool? Ça, c'est quoi? Oh, ça peut être sympa, ça. J'ai pas d'argent? J'adore ma vie. Eh ben, on va se mettre de l'argent juste pour installer ça. Non, pourquoi je fais ça? Money. On va se mettre... hop, 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 hop. Beaucoup de moula. Beaucoup de moula. Ouais. Je vois de quoi tu parles, Claire. Bâtiment. On va mettre meublé. On va voir ce que ça donne. Et en plus, je pense que ça peut être bien assorti avec le reste de la ville de Copperdale, non? Je pense que ça peut le faire, ça peut être sympa. Du coup, on va se poser là-dessus et... Waouh! Ah oui, elle est belle cette construction. Dites-moi. Regardez. Comme elle est sympa. J'aime bien. Coucou Liska, comment tu vas? Pardon, j'ai le hoquet. Faites voir à l'intérieur. Ouais! Ah ouais, elle est belle. Oui, c'est nice. C'est nice de fou. Attendez, je vais remettre les pleins murs pour comprendre. Alors là, on a... Attendez, on va descendre. Il y a combien d'étages? C'est où l'entrée? L'entrée, c'est là? L'entrée, c'est là, je crois. Ah, tu rentres du coup dans la cuisine? Non. Si? Ah non, tu rentres par là. Oui, tu rentres par ici, en fait. La porte d'entrée, elle est derrière. Est-ce qu'on peut tourner le terrain? Je pense que ça serait mieux de tourner le terrain. Attends, ouais. J'ai fait quoi? De la merde. C'est pas une coloc, c'est un manoir carrément. Mais au moins, on peut avoir beaucoup de Sims. Non, je veux tout tourner, moi. Hop, hop. Voilà. Parce que moi, je veux bien que la porte d'entrée soit vraiment devant.
Voilà, c'est pas grave. Ah, mais ça l'a décalé de ce côté. Attends. On va mettre ça. Comme ça, ouais, je veux bien. Colloque de pauvres, clairement. Ok, pas mal. Mieux, et au moins on a du coup l'entrée juste ici. C'est sympa. Là, on a un salon. Bah, au moins c'est meublé, vous voyez. Là, on a un salon. Là, on a la salle à manger. Ici, on a une petite cuisine. Merci, Bibouls, pour le follow. Bienvenue. On a une petite salle à manger. Là, on a du coup le couloir avec bureau et tout. Ah, on a le truc des cours, mais ça, du coup, on va... Non. Ça nous servira à rien. Là, on a une salle de bain. On monte à un premier étage. On arrive ici. Il y a plusieurs étages. Hein. Là, on a des toilettes. Ici, on a une première chambre avec un lit double, ordinateur et compagnie. Là, on a une toute petite chambre. Mais quel bordel. Attendez, mais je vais enlever ça. Hein. Parce que en vrai, ça sert à rien. Ils sont pas jeunes adultes à la fac. Là, on a une salle de bain. On a encore une chambre par ici. On monte encore au deuxième étage. Et là, nous avons une chambre. Ouh, celle-là, elle me va bien, moi. On en a une ici. On en a combien, des chambres? On en a... 3 par étage, quoi. Et là, il y a un baby-foot et tout, mais c'est trop cool. Les fins de mois vont être dures. De fou. Ça va être toi, Bad Dream? De fou. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Donc, on a 3 chambres en haut. En bas, on en a 3 aussi. Donc, on a 6 chambres quand même. Hein. 6 chambres, c'est pas mal, non? Franchement, j'aime bien. Ok, ce que je vais faire, je vais lui donner la meilleure chambre. Celle-là. Ok. On va tout dégager, voilà. On va tout dégager. On va la lui faire sa chambre, mais quand elle aura plus d'argent. Là, on va lui mettre des trucs genre hyper génériques. Vous voyez? Genre le papier peint, il va rester comme ça. Là, en fait, si vous voulez, dans ce let's play, il va falloir quand même qu'elle gagne de l'argent et qu'elle bosse un petit peu. Et c'est comme ça qu'elle refera sa chambre. Du coup, là, le papier peint, il est pas beau, les rideaux sont pas beaux et tout. Elle va tout laisser tel quel comme ça et elle va se débrouiller. Je vais juste lui mettre un petit lit complètement minable. Merci Sakura des îles pour ton follow, bienvenue. Je vais lui mettre un lit minable, tu vois. Voilà, elle va se débrouiller comme ça, là. Et bah très bien, lit en palette. Voilà, elle est très très bien accueillie dans cette colocation. C'est un truc de fou. Après c'est vrai que c'est un peu grand. J'ai peur que mine de rien cet étage là ça fasse trop. Et qu'on se perde. Qu'on se perde, n'importe quoi, c'est plus parler français. Qu'on se perde, mais bon on verra. Là déjà ça peut être bien. Voilà, elle a même un dressing ici. Ça c'est cool déjà, c'est bien. Ok, et là on va se mettre à... Je vais être très sadique. 560 simflows. Et ça va être très très dur de gagner de l'argent si les autres membres du foyer en dépensent. Les placards du crac-crac, exactement. On va sauvegarder du coup. Salut Sakura, bienvenue à toi sur le chat, comment ça va? Trop de chambres, ouais. Mais on va se rajouter des colocs et tout au fur et à mesure. D'ailleurs, j'ai téléchargé un nouveau mode si jamais. J'ai téléchargé un nouveau mode, excusez-moi. Un mode qui permet de choisir les élèves qui vont au lycée. Ça, c'est cool ça. Alors... déjà, on va faire une attribution de lit. Genre, déjà, ça, verrouiller la porte pour ou non. On va attribuer le lit à Maë. Toi, petit pote, alors, qu'est-ce que tu as comme chambre de sympa? Bah ça, ce sera ton lit, tiens. Attribuer le côté gauche à Dustin. On se rappelle des chambres que vous aviez, hein. Et la Miss, là, Cassie, elle ira dormir là. C'est totalement pour elle, ça. Attribuer le côté droit à Cassie. Voilà. Trop bien, c'est parti. Ça y est, le début du let's play. Du coup, je rappelle, vous pouvez faire le point d'exclamation let's play si jamais vous avez envie d'avoir des infos sur ce qu'on est en train de faire et sur le nouveau let's play qu'on démarre ce soir. Définir comme port d'entrée. On va faire défense d'entrée pour les vampires parce que c'est saoulant, quoi. C'est un petit peu saoulant. On va descendre là et on va faire d'entrée, hein, éclairage automatique, tous les éclairages, hein, parce que sinon on va canner. Sauf peut-être les bougies, non, je sais pas. Je sais pas trop. Sachez que Dustin et Cassie vont faire leur vie complètement. Je ne vais pas du tout les maîtriser. Je ne vais pas du tout jouer avec eux, mais vraiment pas. Je vais jouer uniquement avec ma Sims qui est donc Maë, qui n'a pas du tout rencontré ses collègues. Qu'est-ce que tu fais? Canalisation de l'énergie. Ah non, mais toi, c'est toi ça. Ah, toi, tu vas direct sur le PC du coup. Ok. Mais demain, on a cours alors. Attendez. Attends. J'ai eu peur. J'ai cru que je n'avais pas fait une ado. Toi, t'es ado et toi, t'es ado. Parfait! Faudra qu'on ait plus de...
qu'on ait plus de colocs, ça va être trop bien. Sinon, j'ai déjà sauvegardé. J'ai déjà sauvegardé. Faudrait peut-être que tu sympathises un peu avec ta nouvelle colocataire, du coup. Hein, ce serait bien que tu discutes avec elle. T'as un peu d'argent pour moi? Non, on va lui illuminer la journée plutôt. J'aimerais bien que tu fasses ça. On va enlever ceci là. Alors, on peut inviter à suivre nos Sims. Ah, vous savez ce que j'ai pas vu? Vous savez ce qu'on n'a pas vu, les amis? On va retourner dans le créer un Sims 2 secondes. Il faut que vous voyez ça. On peut activer la pousse des poils. Et je pense pas que je l'ai fait. Donc je suis obligée de retourner là. On peut faire des ados sans parents. Oui, vos adolescents peuvent être totalement sans leurs parents. Il n'y a pas de problème. Je veux voir la croissance des poils. Et ouais. Ah si, elle l'a. Ok, bien. Ok, bien. Non, là, non, non, non. Enfin. On va lui mettre les bras comme ça. Clair, voilà. Même plus clair encore. Voilà, parfait. Les jambes aussi. Il te faut les jambes. On va lui mettre cela. Et oui, on a les poils dans les Sims. Révolution. Si je me suis trompée et j'ai mis au lieu d'ado, jeune adulte, il n'y a pas de solution de tout refaire. Si, tu mets bien ton code de cheat, testing cheats true. Tu mets casse.full edit mode. Je t'invite à regarder sur Google, hein, tu as tous les codes de triche. Et après, tu peux revenir ici pour tout modifier. D'ailleurs, sa voix. Tu vois ta voix? Non, j'aime pas ta voix. Tu vois celle-là? Oh si, elle est mimes ta voix. Allez, go. Je les trouve terriblement mal faits, les poils. Je suis pas trop. Je suis pas trop. Je m'écoute pas parler. Je suis totalement d'accord avec toi, au contraire. Je suis pas trop fan, c'est ça que je voulais dire à la base, des poils, surtout sur le torse et sur le dos des garçons. Je trouve qu'on dirait qu'on a gribouillé dessus. Comment tu fais pour avoir que des ados dans un même foyer? Bah, tu fais comme les Sims normal, tu les crées, tu les mets tous dans un foyer. Les adolescents peuvent vivre seuls sans parents, hein, sans aucun problème, hein. Merci pour vos bons appétits, j'avais pas vu, désolé. Ouh. Fait chaud. C'est terrible, hein. Qu'est-ce que tu fais? Mais ils font tous des activités et toi t'es là. Après, on n'a pas d'argent, hein, pour s'acheter quoi que ce soit. Ok. Regardez, non. Flirter d'entrée? Non. Arrête ça. Amical. On va lui complimenter la personnalité. Merci pour vos bons appétits. Merci beaucoup. Oh, comment elle fait bye bye? Elle est trop mignonne. Je leur personnaliserai plus en privé la maison, hein. Illumine la journée. Se jeter à l'eau et embrasser. Mais pas du tout. On n'embrasse personne, là. On n'embrasse personne. Oh, regardez, on a un planning hyper chargé. On a un planning hyper chargé. Alors, faites-moi voir. 2 secondes. Festival, anniversaire, travail, école. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on n'a pas grand-chose. Vendredi, on a des examens et on a rien de plus. On a des examens tous les vendredis, apparemment. Et on a la journée d'orientation jeudi prochain. C'est quand le bal de promo? Attendez, peut-être que c'est pas là. Festival, anniversaire, école, vacances, événement de mariage. Je sais pas. Bal et tout. On n'a pas un truc genre bal ou quoi? Attendez, sinon on va mettre événement basique là. Merci Lou pour le follow, bienvenue. Ah non, pas dans événement. Alors attendez, on va faire un par un. Là, on s'en fiche. Ici, on n'a rien. Je pense que c'est à partir du jeudi. Ouais. Le jeudi, on a la journée du sport de l'équipe de football américain à 17h. De 17h à 20h. Le vendredi, on a la journée de sport de l'équipe de pom-pom girl. Pareil, de 17 à 22h. Et le samedi, normalement, si tout se passe bien, on a le bal de promo. On a le bal de promo et ça va être cool. Et on a cours demain du coup, c'est trop bien. Je n'ai pas dans mon calendrier le bal de promo. Tu as bien le pack année lycée ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Doucement, hein. Par contre, j'ai plus le mode slice of life, les amis. Je me sens déchirée en deux. Je me sens seule dans ma vie. Je me sens très très seule dans ma vie. Ils vont pas pouvoir avoir des interactions très fluides comme j'ai l'habitude d'avoir dans mes let's play. Pourquoi t'es vénère? Ah non, il est très confiant. Être obsédé par la célébrité préférée. Ouais, c'est un truc d'ado, ça. Oh! Faire une bataille d'oreiller, faut que je vous montre ça. Maintenant, dans les Sims, on peut faire des batailles d'oreiller avec le pack année lycée. Et l'interaction, elle est trop mignonne, vous allez voir. Merci Ali pour le follow, bienvenue, merci beaucoup.
Vous avez eu 0 balle de promo? C'est peut-être bugué, non? Ils sont sortis de la chambre pour leur proposer, pour lui proposer de faire la bataille de Polochon. N'importe quoi. Vas-y, j'ai trop envie de les voir faire. Regardez comme ils se mettent. J'aime trop. Non, ça, franchement, on peut dire ce qu'on veut. J'adore. Là, ils sont en train de se battre et tout. Quoi de mieux pour sympathiser avec ces nouveaux colocataires, les gars? Une bataille de Polochon. Est-ce qu'il y a du flirt dans l'air? J'ai l'impression qu'elle a envie quand même de flirter avec le mec depuis le début, hein. Fais gaffe à sa sœur, hein. Elle est pas facile, on la connaît, hein. C'est trop mignon. Cette interaction est beaucoup trop mignonne. Enfin, ça, c'est des trucs en plus, tu vois, qui sont rajoutés dans le gameplay que moi j'aime. C'est des trucs très bêtes, mais j'adore ça. Coupe le goal. Ah, vous êtes pressés. Elle a gagné. Conquérante d'oreiller. Mae a remporté la victoire lors des grandes batailles d'oreiller avec les... Je sais pas quoi. C'est trop bien. C'est quoi le mode dont tu parlais tout à l'heure? Oui, merci de me faire rappeler. Je parlais d'un mode qui s'appelle... Je sais plus. Je sais plus, mais je pense que je vais pouvoir trouver le nom après quand je cliquerai dessus. Je peux choisir en fait tous les élèves de ma classe. Alors que tu peux pas quand t'as pas le... quand t'as le lycée normal avec le pack et tout. Pourquoi pas se faire les jumeaux? Ah, ça y est. On va l'embêter, elle. Bien, j'ai envie de discuter avec elle. Mais il fait trop le beau gosse, en vrai. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Taquiner à propos des notes. Vas-y. Bah, t'as 7 moyenne, t'es un peu débile hein, de faire ça, hein, je t'avoue. Hein. Ah oui, mais c'est comme ça qu'elle taquine et tout? Je vais pas... Je vous ai dit, je vais pas trop jouer avec eux. C'est juste pour les devoirs et tout. On va lui faire ses devoirs. Toi aussi, tu vas aller faire tes devoirs. Voilà, allez-y, let's go. Oh, elle est embarrassée, du coup, à cause de moi? Qu'est-ce qu'on a fait? Rencontre embarrassante. Mince! Vous vous aimez pas déjà avec Cassie? Non, c'est ta coloc, hein. Ah non. Ah oui, elle est membre de l'équipe de Pom Pom Sims, c'est vrai. Il faudrait qu'on aille dans un club, mais il faudra qu'on aille voir demain comment ça se passe au lycée et tout. Pour le club, on n'a pas de bureau ni rien. Arrête de montrer ton téléphone, il faudrait vraiment que tu ailles faire tes devoirs. Tu vas aller faire tes devoirs comme ça. C'est bien. Et est-ce qu'elle a développé des peurs ou quoi déjà? Non, elle a pas de peur. Ah si! C'est une Sims à qui on peut s'identifier. Les Sims à qui on peut s'identifier lient plus rapidement des relations amicales avec les autres ados. Ça, c'est trop bien. Et ça, c'est avec un mode défense immunitaire normal. Les Sims aux défenses immunitaires normales tombent parfois malades, mais ne sont pas spécialement fragiles face à la maladie. Et du coup, ouais, elle est exigeante et c'est une héroïne. Et ça, ça vient avec le mode Wonderful Whims. Les Sims avec le trait héroïne désirent montrer leur courage, prouver leur valeur et leur confiance en soi. Par conséquent, ils pourraient finir par paraître arrogants en cherchant les défauts des autres Sims pour se rassurer ou chercher la bagarre. C'est comme ça. Ah oui, lapin sociable, bien sûr, on va y aller. Ah ouais. Ouvrir lapin sociable, ça va être la première fois. Oh, elle pourrait trop devenir en mode... Elle aime la mode et tout. Vous l'imaginez pas, elle aime trop la mode. Ajouter à une liste de contacts. Eh ben, on va ajouter... on va ajouter Cassie. On va ajouter Dustin. Voilà. On va faire une nouvelle publication. Poster à propos de la bataille d'oreiller. Déjà d'entrée, allez, histoire énergisante. Cet événement m'a donné une énergie folle. Qui aurait cru que se prendre un oreiller sur la tête pouvait être aussi amusant? Super. Père, message, je peux pas envoyer de message à mes colocs, donc c'est un peu débile. Mais par contre, je peux taguer un pote, genre Dustin, on peut lui envoyer un message amusant. Et je sais pas ce que ça met. Et Dustin, quel est le comble pour le lapin rose? Se faire poser un lapin. Je t'entends. Il y a Zouk dans la cuisine. Ah ouais, dur. Ah mais elle m'a fatiguée avec sa blague, hein. Bonsoir, je suis trop dégoûtée, je n'ai pas pu regarder le début. En plus, je ne peux pas rester, je voulais juste faire un coucou. C'est gentil de venir faire un coucou, le dronju. Merci, merci. Elle pourrait trop être la reine du lycée et être la concurrente de la blonde. La blonde, comme tu dis, Cassie, elle veut trop être populaire, à la base. Elle veut trop être populaire. Mais ce serait bien qu'ils aient un endroit pour faire du coworking un peu, hein. Franchement. Vous savez ce que je vais faire? J'ai pas envie que ce soit l'enfer bloqué... j'aimerais qu'on bloque pour tout le monde en fait. Verrouiller pour que tout le monde ne rentre pas dans toutes les chambres. Genre là vous voyez c'est des chambres qui sont inoccupées, donc personne ne rentrera dedans, vous voyez ce que je veux dire. Verrouiller pour tout le monde, voilà. C'est mieux de faire ça vu qu'on rappelle que c'est quand même une colocation. Là toc toc toc, c'est la chambre de machin, de Dustin. J'ai pas une troisième chambre ici on a dit? Oui si j'ai celle là. Et on va verrouiller pour tout le monde. Voilà, au moins ce sera pas le dawa, ils seront pas tous dans toutes les chambres partout. Merci Lilou001 pour ton follow, bienvenue. Technique de drague chez les Sims, tu dors. C'est ça. Tu es en train de dormir là? Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai une notification, j'adore lapin sociable moi.
Oh, j'ai eu des réactions. Ça doit être Dustin. Ça doit être Dustin qui a réagi. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Poster à propos de l'entraînement. Ah non, mais je suis pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit. Attends. Ah, mais elle, vu qu'on est amis, Cassie, elle peut réagir. Genre là, on peut mettre ça? Non, on peut pas réagir? Je ne sais pas. Nouvelle publication. Non. Taguer la Sims. Message amusant. Ouais. Et du coup, je peux pas. Je peux réagir à moi-même, en fait. Mais du coup, comment on fait pour réagir aux messages des autres? C'est ça que j'ai pas compris, tu vois. Ça dépend, hein, la drague. Hein. Moi, j'ai un mode qui fait que c'est plus difficile de draguer comme ça. Et sinon, ce serait trop facile, justement. Envoyer un message privé. Ouvrir la pince sociable, taguer quelqu'un. Ouvrir la pince sociable. Et je peux en fait, je peux réagir qu'à mes messages. C'est les autres qui réagissent à tes messages. Toi, tu peux pas réagir à ceux des gens. Ok. Triste un peu. Développer des relations. Mais ouais, mais je connais personne pour l'instant. Moi, j'aimerais qu'on aille tous au lit à un moment donné. Toi, tu es comment là? Ah ouais, et par contre, ils vont commencer à avoir faim. Du coup, peut-être que le mieux, ce serait de descendre, préparer à manger. Ce serait la première fois qu'elle va le faire. On n'a pas de micro-ondes. Tu rigoles. Des étudiants sans micro-ondes, ça ne peut pas exister, hein. Ok, ça va être compliqué. Je vous annonce, on va douiller. Va te manger une compote de pommes, voilà. Et tu prendras tes céréales demain matin. Vous là. Allez, on va se coucher. Toi, tu vas aller dormir là quand tu auras terminé tes devoirs. Et toi, tout se passe dans ta chambre. Je leur ferai trop un endroit de coworking et tout, ça va être trop bien. Draguer IRL sera toujours plus compliqué que de s'acheter une baguette de pain chez la boulangère. Ah bah oui. Bah heureusement. Après, ça dépend sur qui tu tombes. Hein. Il y en a qui sont assez open. Hein. Ça se fait, hein. C'est clair. Ouais, il y a des machines à laver dans les Sims grâce au pack premier jour de lessive. Il faut que vous achetiez pardon, le pack premier jour de lessive. Et du coup, vous avez tout quoi. Vous avez toute la panoplie et ça, c'est bien. C'est sympa. Allez, tu vas te coucher un peu ou tu vas manger? Non mais qu'est-ce que tu fais? Oh, elle s'était assise trop bien. Tu trouves où ces packs? Alors, tu peux les acheter sur Origin. Mais si tu veux les trouver moins chers, tu peux passer par mon lien Instant Gaming. Tu les trouveras beaucoup moins chers là-bas. Ok, vas-y, fais-toi à manger. Il est déjà minuit. Ouh, demain ça va passer vite. On va aller à l'école très très vite. Oh, on verra si on va se rencontrer des gens et tout, si elle va tomber amoureuse, si elle va avoir un coup de foudre, j'en sais rien. Et aussi, j'ai retéléchargé dans cette sauvegarde le lycée que Cyril Soinel, du coup ma copine, avait fait parce qu'il est trop beau. Donc c'est pas le lycée d'origine quoi. Ah ouais, Stitch? Trop bizarre en vrai. Trop bizarre. Vas-y, va te coucher. Allez, on prend nos marques. On n'a même pas de lumière. Hein. On n'a même pas de lumière dans notre chambre. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Mais on a un placard. C'est bien déjà. Il peut y avoir des dramas. Hein. Il peut y en avoir. Mais bon. Espérons qu'il n'y en aura pas trop, tu vois. C'est 10 lapins par message dans Lapin Social. Ok. Mais pourquoi je peux pas réagir aux messages des autres? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les jumeaux, ils se sont réveillés. Ils sont prêts déjà à en découdre. Par contre, toi, elle est pas au maximum. Vas-y, on va la réveiller maintenant. Quoi? Enragée. Pire journée de sa vie. Bien pire que la précédente. Pire journée de sa vie. Pourquoi? Mais pourquoi tu te mets dans cet état? Tu vas faire quoi? Faire caca en étant en colère. Ah bah oui, d'accord, ok. Coucou Lilou, comment tu vas? Je suis pas. Je comprends pas trop là. Elle est dans un état. Elle s'est mise dans un état. Elle s'est trop vénère et tout, la fille. Elle va casser des têtes. Elle va faire des pieds-bouches. On va rien comprendre. Faut se calmer, hein. Essaye de te calmer, s'il te plaît, avant d'aller en cours, là. Oh là là. Ok, Maë, elle va nous donner du fil à retordre, je vous le dis. Ouais, non, pire journée de sa vie, mais t'as dormi. T'as même pas passé une journée à faire quoi que ce soit, tu vois. Genre, non. Faudrait peut-être que t'ailles te prendre un petit déjeuner. Ah! Bah non, hein, manger un repas rapide, tu vas aller te prendre des céréales du coup. Voilà, et les cours commencent à quelle heure? Les cours commencent dans 2 heures. Bah ça va, t'as le temps. T'as le temps de te calmer?
Ça va aller, voilà, respire. Oui, on ira faire un tour à Tétendant, je vous dis, je pense qu'elle va aimer la mode de fou. Hein. Mmh. Qu'est-ce qu'elle fait? Va manger. Moi aussi, je prends mes repères. J'ai trop envie de lui faire une chambre de fou et tout. Mais je savais pas, Dustin, que tu aimais trop la guitare. Dustin, il adore la guitare, en fait. Le mec, il aime trop ça. Bon, il est débutant, mais c'est bien, quoi. Tu cliques sur le petit lapin à droite des messages. J'essaierai, tu me diras, quand j'aurai l'occasion. Ah, mais elles sont toutes vénères. Et toi, pourquoi qu'est-ce que t'as? Détresse familiale, je ne supporte plus ma famille. À bout de nerfs, entendre des instruments mal joués est stressant, même pour les plus stoïques d'entre nous. C'est tellement bâtard. Passe à côté de ses rêves. Mais ça suffit. Ah, mais elle aussi? À bout de nerfs, entendre des instruments mal joués est stressant. Oh, vous êtes pas sympa. Le mec, il essaye de vous rendre heureux un peu, là. J'ai jamais remarqué un truc. Est-ce que le fait d'aller sur Lapin Sociable augmente le divertissement? Je ne pense pas. Vous voyez, genre là... Ah, si! Là, je peux réagir. Je peux faire ça. Maë, écoute un peu ces Sims âgés qui ne disent ne pas pouvoir sortir d'une piscine sans échelle. Va à la salle de sport! Mais elle est horrible. Non, mais là, elle est en train de me dire que je dois aller à la salle de sport. C'est... Ça me... C'est dramatique, là. C'est dramatique. On va prendre les trois. On y va! C'est l'heure d'aller à l'école. Vous allez pouvoir découvrir du coup le lycée de Cyril. Qui est trop trop beau. Je l'aime trop. Oh là là, les années lycée. Ouais. Et du coup, c'est un nouveau let's play qu'on commence. Vous pouvez faire le point d'exclamation let's play si jamais... Ah bah vous l'avez fait il y a pas longtemps. Je vous dis. 16 ans malgré moi. Hein. C'est the titre. Hein. 16 ans malgré moi. Un remix de plein de trucs. Je kiffe. Mais c'est bien, ça va nous rappeler notre adolescence et tout. Moi, je vais rentrer dans les clichés de fou, hein. Faudra pas être choqué. Yes, je me suis tachée. J'adore. Ok, quoi? Ok, le mode, du coup, je vais vous le montrer. Luciole, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Je vais vous montrer le mode. En gros, calme-toi! En fait, vous téléchargez ce mode qui s'appelle... Je sais plus. Je vais vous dire comment il s'appelle si jamais il vous intéresse et que vous avez envie de le télécharger. Il s'appelle Choose High School Classmate de Rex. Choose Your Classmates, sinon, tu vois. Et il s'appelle comme ça et il est de Rex. Et en gros, vous devez mettre une boîte aux lettres dans votre lycée. Et quand vous cliquez sur la boîte aux lettres, vous avez choisissez vos camarades de classe du lycée. Et en fait, ça, dans le jeu de base, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez absolument pas le faire. C'est pas une option. Vous ne choisissez pas qui peut venir en cours avec vous. Et là, en fait, vous pouvez choisir l'élève malveillant du lycée, le membre de la team des e-sports, choisir un membre de l'équipe de football, choisir un membre de la team des échecs, des pom-pom girls, choisissez vos camarades de classe du lycée. Donc là, en fait, ils te mettent vraiment tous les adolescents de la map, par exemple, et vous pouvez en choisir jusqu'à 20. Et c'est trop bien. Du coup, par exemple, bah, je vais mettre Cassie, Dustin, je vais mettre Cassandra Gothic, je vais mettre Greta, je vais mettre Dwayne, lui, il me fait rire. Je vais mettre Morgane, je vais mettre Raoul... je vais mettre qui tac, Molly, Ash. Je vais mettre qui Rohan, il est mignon. Naori, Kiyoshi aussi. Il est pas du tout adolescent. Merci Else pour le follow. Je vais me coucher, bonne soirée à tous, bonne fin d'épisode. Merci Claire, des gros bisous. Il y a Kevin aussi. On peut se mettre Sophia, Savannah, Yuki. Non mais on peut mettre tout le monde en fait. Là ça y est j'en ai mis 20 je pense. J'en ai mis 6 ici. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc vous pouvez mettre 20 Sims comme ça. Et à chaque fois on peut choisir. Et normalement, j'ai pas utilisé encore le mode vraiment. Si tu choisis l'élève malveillant du lycée, tu vois, tu peux mettre genre Wolfgang parce qu'ils ont un trait de caractère malveillant, je crois. Tu peux mettre, choisir un membre de team, la team. Et il n'y a pas genre la plus populaire du lycée par contre. Supprimer les camarades de classe, on peut en enlever. Choisir un membre de l'équipe de foot. Qui c'est qui fait trop profil foot là? Sydney, il fait foot. Allez, et donc c'est ça le mode et il est très sympa.
Bon, elle est enragée, elle marche d'une façon tapeur, il fait très très moche. Voici le lycée, du coup, de Madame Cyril. Ce que j'adore, et je l'avais déjà dit quand j'ai fait la découverte de Pâques, c'est le bus jaune. Le bus jaune, c'est trop dommage que le bus ne vienne pas nous chercher devant chez nous. C'est juste ça que je demande, genre les transports à l'ancienne, vous voyez. Attendez, je vais sauvegarder quand même au cas où. Les transports à l'ancienne, vous vous rappelez, dans les Sims 2 et dans les Sims 3, quand t'allais bosser ou quand t'allais à l'école, t'avais une bagnole, et en plus... pour le travail en fonction de ta promotion, qui venait te chercher devant chez toi et qui t'accompagnait. C'était trop bien. Attendez. Pour mes salles de classe, je vais mettre les deux à côté. Désolée pour l'ASMR. Faire une farce. Ah bah elles sont toutes les deux là. Ça c'est la classe 1, c'est laquelle de classe? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'adore la musique. J'avoue que c'était bien, mais oui, c'était trop bien. De quelle origine, toi? J'ai pas compris. Tu as rénové le lycée. C'est pas moi qui l'ai rénové, Luciole. C'est Cyril Soinel, justement, une copine streameuse à moi qui fait partie de la même team que moi. T'aimes pas la danse? Eh bah, t'es rabat-joie, hein. Et en fait, c'est elle qui l'a refait. Parce que le lycée, oui, à la base, il est pas du tout comme ça. Il est, on va pas se le cacher. Il est moche, le lycée, de base. Il est vide, y a rien. Et je vous jure que j'ai vu plein de gens qui se... qui se plaignait en fait, si vous voulez, du lycée justement, parce que il est vide complètement, et qui se plaignait aussi du gameplay. Et franchement, si vous voulez mon avis, je trouve que déjà quand on a un lycée qui est beaucoup plus fourni, avec par exemple une salle de musique, avec je sais pas, un CDI aussi, on a un CDI tout en bas, de la décoration, vous voyez, des vraies salles de classe bien aménagées, un coin pour qu'ils se reposent, du baby-foot, là c'est quoi, c'est la salle de l'approviseur, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est beaucoup mieux quoi. Et le gameplay est plus sympa déjà, tu t'es plus imprégné du truc. Ah ouais, la position hantée. Ah mais il nous faut des casiers. J'ai pas fait le casier. Alors attendez, parce que eux non plus, ce serait bien qu'ils le fassent. Placer une boule puante? Mais c'est horrible. Et pour... tu as déjà ton casier, toi? Elle peut pas... Pourquoi tu peux pas placer ton casier? Elle doit sûrement déjà en avoir, mais... c'est en mode, elle veut placer une boule puante. Je connais pas, ça. Et toi, tu peux choisir ou pas? Demander la propriété du casier. Oh, ouais. Il y a tous les sportifs, là, je sais pas, ils font leur pose en thé bizarre. Trop bizarre. Ah, ça sonne. Vite, 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 il faut que t'ailles en cours. Mais, oula. Oula, le bug. Vite, 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 vite. S'il te plaît, déconne pas. Et maintenant, ils marchent avec leur téléphone. N'arrive pas en retard. Vous savez que si on arrive en retard, ici, à l'école, vous avez une retenue et vous restez après les cours. Et vous êtes enfermés là-bas. Oh, il y a l'agent d'entretien. C'est trop mignon, ça, par contre. Une petite... Bon. Ok, terrible. Dustin, il a fait une rêverie passionnée de qui, là? Alerte attirance. Maë, elle a eu un coup de foot pour... Non. Attends, qui? Maë ou lui? Maë, elle kiffe lui, là? Mais non, déjà? Attendez, 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 les problèmes, là. J'ai pas le truc. Elle a... Merci. Elle a une alerte d'attirance pour lui, là. Regardez. Une rencontre a coupé le souffle. Les yeux de Maë ont été flattés par la vue vraiment magnifique d'un Sims particulièrement attirant, venant juste d'entrer dans son champ de vision. Ce beau spécimen Sims attire toute l'attention de Maë pendant qu'elle essaye de refermer sa bouche tellement ouverte qu'elle entraîne par terre. Il y a des moments qui font chaud au cœur, mais le moment présent lui donne plutôt l'impression que son cœur s'est arrêté. Ouais, le téléphone en cours, là, j'avoue. Et elle est où, elle? Oh, mais t'arrives en retard, mais t'es sérieuse? Elle en a rien à faire, Cassie, je vous assure, elle s'en fout complet. Et l'autre, elle est vénère, pomme de terre. Ah ouais, 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 elle a eu un coup de foudre pour lui, mais c'est le mec le plus méchant du lycée. Comme par hasard, regardez, il fait partie du groupe Les Rebelles, il fait partie du club d'échelle, mais je l'ai désigné comme le mec le plus malveillant du lycée, quoi. Merci, Leïna, pour le follow, bienvenue. Oh non! Bon, si elle le kiffe vraiment, on lui fera peut-être un relooking à lui, non? On peut lui faire un relooking en vrai à un moment donné. On a acquis la compétence archéologie, d'accord? J'ai pas regardé mon planning aujourd'hui, je sais pas ce qu'on est en train de faire. Dustin a été distrait par le choix de la bonne couleur de stylo pour prendre des notes et a manqué une partie du cours. Il a entendu parler de PC, mais ne sait pas ce que ça signifie, ce que signifie cet acronyme. De quoi pourrait-il s'agir? Problème de chenille, pensée critique. Problème de chenille.
Bah, pensée critique, j'espère, quand même. La nouvelle compétence écriture. Compétence culture selvadoradienne acquise. Oh. La nouvelle compétence archéologie. Mais on fait quoi, là? C'est quoi comme cours aujourd'hui, madame? Vous avez une voix très... se moquer de la gêne. Non, 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 on va pas se moquer de la prof, non. On fait de l'archéologie aujourd'hui, on fait quoi? Il faut qu'on regarde notre planning. Est-ce qu'on peut regarder notre emploi du temps sur le téléphone? Je pense qu'on a besoin d'un ordinateur. De toute façon, il faut qu'on aille au cours de sciences sociales après. Ouais, bah on va y aller, mais là c'est l'heure du déjeuner. Il est déjà 11h, heure de déjeuner. Attendez, je vais mettre pause. Non, avant tout, occupons-nous de ce qui se passe. Elle va se présenter. Présentation amicale, vu qu'elle a eu un coup de foudre pour lui. Oh my god, je stresse. Les Sims 4 devraient rajouter les transports avec les accidents de voiture qui fait soit des blessures, soit la mort. Oui, qui est des tragédies en fait dans la vie d'un Sims, ouais, je suis d'accord avec ça. Regardez! Oh! Perçu comme extrêmement attirant. Mae, elle le trouve mal poli. Il a dû très très mal se présenter. Et lui, il pense qu'elle est prétentieuse. Mais en même temps, elle est enragée aussi. Pire journée de sa vie, là. Mais non, un regard provoqué. Non, 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 non. Vas-y, embête-le pour voir. Ah non, c'est méchant. Discutez gentiment, pitié, non. Je comprends pas. Faire connaissance. Ah, j'ai encore un pire accent anglais, là. Really? Really, mon pire accent anglais? Ok, ça commence dans 3, 2, 1, top, c'est parti. Friends to bay. He doesn't like us ou quoi? Oh, he's enjôleur de fou. We are going to take in him. Oh, he's morose. Oh my god. Oh non! They are embrouilling beaucoup là. Hein. Se plaindre de passer la pire journée de sa vie. Go te plaindre. Hein. Oh là là, the best rencontre ever. Hein. Insensible, tout ça. This is vraiment complicated. I'm not content at all. Hein. At all du tout. Hein. I'm not content. This is not normal. Tout ça quoi. What? 10 balles pourquoi là? Why? Why 10 balles? Oh, je suis quand même extrêmement violente. This is. She is too much énervée. Hein. She is really very, very énervée. Wait a second. Ah yes, you have to. Oh yes, de voix. Je vous laisse, c'était avec plaisir. Je me reconnecte demain si vous avez des infos, le jeu, etc. Je prends avec plaisir. Et ben, n'hésite pas à rejoindre le Discord pour ça, Jason. On donne toutes les infos généralement sur le Discord là-bas, si jamais ça t'intéresse. Et je fais une parenthèse sur mon truc anglais quand même. Et après, tu as mon planning de stream, tu as tout en fait sur le Discord et mes réseaux sociaux de manière générale. Du coup, je stream la prochaine fois mercredi à 20h. Voilà. Et des bisous, bonne soirée. Yes, you have your casier. Ah, frappé dans un geste de colère. Ouh, she's very, very... What? Oh, ok, she's not very, very cool, là. Go. Do a decoration. Placer une boule puante. Why? Where is your casier, you? Do you have a casier? Yes, I know my English is beautiful. No, 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 this is not your style de decoration. Enlevé. Animé japonais. Oh, this is cute. Ok. This is cool. Oh, what is this music? Oh, cool. Acheter des encas, yes. He is very pas bien. Perd le contrôle. My Sims are very pas content hein, tonight. Hein. Vous entendez la musique, elle est trop bien. Au gazeuse au citron. We have a little cake with the cream. We have a pizza roulée au pepperoni. We have pizza roulée végétarienne. Coucou petite perruche. Coucou petite Lil, perruche. How are you today? Soda à la prune. Take au gazeuse au citron. You are going to calm yourself, hein? What? What? Non! Ce coup-là! Coucou Kali, how are you? Please. Ah, this is good, okay. I have my canette, my coke.
good, drink, and you need to calm down. Hein. You need vraiment to calm down because I don't know what I have to do. Oh, we have already cours. Oh gosh. I'm fine, thank you, and you, I'm very fine. Hein. I'm very fine. We are in college. This is not very cool because we have a coup de foudre for this man and he doesn't like us and my Sims, she is my Sims, is very angry. Comment avoir une boisson gratuite fracasser la machine? The boisson is not gratuite, hein. The boisson is payé and very bien payé, 5 balles. Hein. Ah yes, hein. Ah yes, yes, yes. Stop it le téléphone là. Non mais c'est quoi? We are in cours of sociology. I don't remember. What are you doing? Where are you going? Please assi. What are you doing debout? Oh là là. Yes, the English is very dead. Hein. But it's fait exprès. Hein. Why are you debout? I don't understand what are you doing là. Hein. You are very bizarre. Hein. And you are happy. Oh, she's happy. Oh non, bah blasé. She's blased. Because it's raining today. Ah, merci, c'est fini. Je peux reparler normalement. Bonne nuit, Melba. Des bisous. Dors bien. Non, c'est bon, là. Écoutez, ma foi, elle est blasée, mais elle n'est pas malheureuse. Merci, Kim Terzian, pour ton follow. Bienvenue. Ah, ça l'a rendue heureuse de boire sa boisson. Bon, bah, c'est bien. C'est cool. C'est top. Est-ce que Enemies to Lovers serait meilleur que dans un livre? Je comprends pas la question. Je comprends pas la question. Genre, comment ça? Eux deux, là? Enemies to Lovers à fond? À fond la caisse? Ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Vraiment, ça pourrait être sympa. Quoi? Failli faire des conneries, là. Bilan de fin de journée. Les professeurs ont ramassé les devoirs et fait sortir leurs élèves. Ah! Le bal de promo approche! Attends, stop! Le mec, il s'est barré. Il faut qu'on tryhard le mec, là. Le bal de promo approche. Il aura lieu samedi soir dans l'auditorium du lycée de Copperdale. Un dîner sera servi sur place et les élèves ont hâte de vivre cette soirée importante. Voici quelques moyens de vous y préparer. Créer un panneau d'invitation au bal de promo, inviter quelqu'un au bal de promo et inviter quelqu'un au bal de promo en tant qu'ami ou préparer votre tenue habillée. On se voit là-bas. J'ai trop hâte. Ouais, j'ai trop hâte. Bon. Là, c'est la fin des cours. Il me semble qu'on n'a rien, mais ce serait cool, je sais pas, d'essayer de voir... il est où, le mec, là? Le mauvais. Et il est là. On va aller lui parler, quand même. Il faut qu'on reste bien au lycée, tout ça, tout ça. On va réessayer de faire connaissance. On est blasé, mais c'est mieux que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, vraiment, c'était catastrophique. Hein. Genre, on s'entendait pas du tout, mais on a eu un coup de foudre pour lui, en vrai, de vrai. Hein. Mais j'ai l'impression que de manière générale, ils sont tous un peu énervés. Ce serait bien qu'on aille aussi, je sais pas, discuter un peu avec la proviseure ou quoi. Enfin, qu'on rencontre un peu aussi nos profs, je sais pas. Là, c'est le bureau de la proviseure d'ailleurs, mais elle est jamais assise à son bureau. Elle est relou. Elle est méga relou. Ouais, voilà. Wolfgang, il est méchant. Mais je vous jure, en fait, nous, notre vie, c'est ça. C'est qu'on va rester avec des gens méchants. Mais ce serait bien qu'on essaye de se faire des potes aussi, présentation amusante. Voilà, on essaye de se faire une petite bande de potes. Elle est méga vénère aussi. Cassandra Gothic, là, qu'est-ce que t'as? On l'avait relooké et tout, je suis dégoûtée. Cassandra Gothic, qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es énervée comme ça? Je comprends pas trop. Ah, elle est trop mignonne. Oh. Qu'est-ce que t'as? Répandre des rumeurs sur le fait de faire crac-crac. Non. Tu vas te plaindre de ton ennui. Cassie, elle a fait un rêve. Souvenir attirant. Mais elle est attirée par qui? Attends. Cassie est attirée par quelqu'un également. Par qui? Noah? Perçu comme très attirant. Elle? Je sais pas. Ah non, je peux pas. Non, c'est une prof, ça? Elle est pas attirée par nous. Non. Ah, on est amis déjà. Ouais, vu qu'on habite ensemble. Ça, c'est son frère. Elle aime bien Noah, apparemment. Écoutez, ma foi. Mais qui c'est qui est en train de se disputer avec moi, là? Je suis pas très d'accord, hein. Et lui, on s'entend pas bien. Se jeter à l'eau et embrasser. Non. On va discuter des centres d'intérêt. On va amical,
aime, n'aime pas. Se renseigner sur la carrière, se renseigner sur les loisirs. Viens, on va lui demander. Genre, t'aimes quoi et tout, machin? Est-ce que tu kiffes un peu tout ça? Je sais pas, tu vois. Lui poser quelques questions, histoire d'apprendre un petit peu plus à le connaître, en fait. Mais je vous dis, il mériterait vraiment un relooking. Il n'aime pas la cuisine. Bah écoute, ça va. Elle voulait déjà lui dire je t'aime, je sais pas si vous avez vu. Elle voulait carrément lui dire je t'aime, quoi. Être obsédée par son réseau social préféré. Mais il faudra carrément qu'on les ajoute après, derrière. Hein. Se renseigner sur l'équipe de Pom Pom Sims. Ah tiens, tu pourras peut-être nous dire comment on fait. Prétendre être la reine du bal de promo, complimenter sincèrement. Demander de rejoindre l'équipe. Ah mais... Quoi ? Tenir des conseils à propos de la publication de Lapin Social. Mais moi je comprends pas là les gars, dans le chat. Il fait partie de l'équipe de Pom Pom Girl lui ? Ok, je te plais. Alors non, on va pas lui demander ça parce que quand même c'est abusé. Se renseigner sur les préférences d'attirance. On peut pas lui demander autrement. Je crois qu'avec justement le nouveau pack lycée, on pouvait lui demander. Frimer. Ou alors il faut être plus... faut qu'on ait un peu la barre d'amour. Je sais pas. Se plaindre en disant que la vie est injuste. Vas-y. C'est un bad boy et un pom-pom boy. Bah, il y en a plein des pom-pom boys. Ouais, carrément. Proposer de faire crac-crac. Pas du tout. Faire connaissance encore. Il est 17h. Il est 17h. Discuter de la tristesse. Oh my god. Ouais, c'est abusé par contre. C'est carrément abusé. Mais on a l'air de mieux s'entendre avec lui. Et d'ailleurs, il est enjôleur. Est-ce qu'il nous aime mieux? Oh, on va pouvoir lui envoyer plein de messages et tout. Ah non. Non, il nous aime pas. Non, il nous aime pas. Je joue au Sims 4, c'est écrit dans le titre, les amis, sur TikTok. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Nous sommes en stream, justement, on est en train de jouer. Yo-Yo, merci beaucoup pour les 15 bits. J'espère que tu vas bien. Ouais, non, hein, la relation, elle est pas folichonne. On va aller, du coup, sur Lapin Sociable. On va se mettre... Ouvrir Lapin Sociable. Oh! Cassie, t'es une vraie tête à claque. Dès que je te vois, j'ai envie de me battre avec toi. Je pense que Cassie, elle a pas aimé que Maë, elle se rapproche trop vite de son frère. Elle a pas aimé que Maë se rapproche vite de son frère. Et du coup, elle a envie de lui faire un pied-bouche, là. Parce que là, les messages, ça va pas du tout. En même temps, Cassie a commencé à envoyer un message super méchant en mode « Ouais, tu devrais aller à la salle de sport et tout. » Bah ouais, mais frérot, je vais à la salle de sport. Je suis bien comme je suis, quoi. M'embête pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah non. Du coup, ça se passe pas très très bien. Oh, s'il te plaît, retourne chez toi et enlève la porte. Personne ne veut te voir en public. Qu'est-ce qu'ils ont contre moi, mes colocs, là? Pourquoi mes colocs, ils sont trop méchants? Je vais les ajouter à ma liste de contacts. Pourquoi mes colocs sont trop méchants? Ouais, ambiance de mort, là. On va poster à propos de l'orientation. L'orientation. Histoire embarrassante. Mais quelle orientation? On va plutôt poster à propos du déjeuner. T'as pris une boisson gazeuse et tout, ça t'a grave fait kiffer. Histoire énergisante. L'énergie du premier jour, l'effervescence est géniale. Ok, on va taguer. On va taguer Dustin. Mais pourtant, on s'entend bien avec lui. Message méchant, en vrai, parce que c'est trop méchant. Voici ce que je pense de toi, Dustin. Ta mère est un lama et toi aussi. C'est pas ouf, là. C'est pas ouf. Ça va pas. C'est pas... Non, 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 non. On est dans un délire, là. Ça va pas du tout. Ok, va aux toilettes, t'as raison. Merci. Ouais, ouais, ouais. Ça s'envoie des punchlines, là, t'as peur, hein. T'as des punchlines, franchement, t'as très, très peur. Non, y a rien qui va, je vous confirme. Je comprends pas trop, là. Ils sont coloc et tout. Genre, pourquoi on s'aime pas? Genre, tu penses quoi de moi, toi? Perçue comme peu attirante. Ouais, mais je m'en fous de ton attirance pour moi, en vrai. Oh. Elle a parlé avec un prof, elle. Et toi, tu penses quoi de moi? Ben, rien de plus, hein. Franchement, c'est aberrant, hein. Ouais, ils sont énervés un peu. Ils sont un peu énervés, mais je comprends pas trop pourquoi. Faudrait peut-être qu'on aille se prendre à engager un vendeur. Alors, non. Ah, elle est pas là, la dame de la cantine. Elle est pas là. Elle commence à avoir faim. On commence à puer très légèrement. Mais par contre, j'aimerais bien... défier un Sims.
Viens, Wolfgang. J'essaye de me rapprocher de lui. Après les cours, vous savez, on reste un peu au lycée, genre, on est ensemble. Elle a eu un gros coup de cœur pour lui. Voilà, elle parle un peu avec. Mais c'est vrai que tu commences à avoir faim, toi. Ah, tu veux pas? Ah, mais elle veut pas? Bah, moi, j'aurais bien aimé que tu fasses ça. Et à l'extérieur, il pleut et tout. Genre là, tu peux faire une chorégraphie en solo, mais c'est pas du tout cohérent parce que tu n'as jamais fait de pom-pom girl, enfin de ouais, une activité de pom-pom girl de ta vie. Du coup, tu vas pas. Enfin, c'est un peu débile, c'est un peu bizarre. Ce que je vais faire, franchement, je vais rentrer à la maison. On va tous rentrer là. Et elle est. Je pense pas qu'elle soit très très heureuse de sa première journée. De manière générale, ses colocs sont vraiment hyper bizarres avec elle. Il se comporte pas bien. Enfin, moi, je suis pas vraiment satisfaite de ça, quoi. Honnêtement. C'est pas moi qui ai refait le lycée, c'est Cyril Soinel sur la galerie. Si jamais vous avez envie de vous renseigner et de chercher, c'est elle qui l'a refait. Il est incroyable son lycée. Pourquoi pas faire un relooking tout de suite à Wolf? Parce que je suis pas sûre de vouloir le pécho. Et vu qu'on a déjà fait quand même de la création de Sims et tout, je me dis que ça va peut-être faire un petit peu trop pour vous, non? Après, on peut faire un sondage. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un relooking, mais rapide, hein, qui va durer genre 2 minutes, enfin 2 minutes, j'exagère, 10 minutes, pour le futur petit copain, peut-être? Non. Il n'y a rien modifié. Mais grave, ils sont trop méchants avec nous. Ok, qu'est-ce que tu fous? Elle va mettre le feu. Elle va mettre le feu. Tu n'as jamais fait de barbecue de ta vie. Tu vas vraiment me mettre le feu, là. J'ai très très peur, hein. Ok. Compétence cuisine, merveilleux. Ah, je vous jure que si elle me met pas le feu, c'est un exploit, hein. Ça ne peut pas arriver dans la vie d'un Sims normal, ça. Elle a pas mis le feu. Choqué, ok. On va appeler à table parce qu'on est sympa, même si franchement, tout le monde mériterait que il crève la dalle et qu'on reste solo, quoi. Mais on va essayer quand même de discuter avec eux. On va quand même essayer de discuter avec eux. On a 489 Simflouz. On va dire que c'est notre argent à nous. Est-ce qu'on s'achèterait pas avec un petit ordinateur? Non, ça va coûter trop cher l'ordinateur. Est-ce que quelqu'un va s'asseoir avec moi du coup? La coloc là. Ah, tu viens devant moi. Ok. Tu viens devant moi. Ça marche. Vous avez un sondage du coup, les gars, dans le chat, si jamais. On va lui raconter une histoire incroyable. Mais elle me sourit et tout. Je sais pas, elle est trop bizarre. C'est trop bizarre, frimer avec sa tenue, technique de... Mais pas du tout, on va discuter. Écoutez, ça a l'air de bien se passer. Oh, les poils, ils ont bien poussé, là. Salut, Michoka! Comment tu vas? Ça fait longtemps, la compagnie, mon Dieu. Bah oui, ça fait hyper longtemps, comment tu vas? J'adore te regarder... Mais elle veut trop flirter avec... Non, non, ayez une conversation entre vous. Ayez une conversation entre vous, discutez, là, tranquille. Parce que moi, j'aimerais remettre les points sur les i, les barres sur les t, hein. Vous savez ce qu'on va faire? On va envoyer un message. Ouais, ça va très bien, merci, Michoka. Ouvrir lapin sociable. Ouais. On va... envoyer un message. À... Wolfgang. Je vais lui changer son prénom, j'aime pas son prénom. C'est trop bizarre. Non? Faudrait lui trouver un autre prénom plus stylé. Qu'est-ce que vous en pensez? Message amical. Message amical pour commencer. On le connaît pas, on le connaît pas. Le téléphone a changé ou je rêve? Oui, il a changé avec la nouvelle mise à jour. Wolfgang, avoir un ami comme toi me fait plaisir. Imaginez, il me répond un truc horrible. Pour entretenir aussi mes relations amicales, Greta, je l'ai bien aimée. Je lui ai envoyé un message amusant. On lui a dit quoi? On lui a dit, la personne qui a inventé le correcteur automatique est morte aujourd'hui. Quel repositionnement en paix. N'hésitez pas à envoyer des messages comme ça à vos potes. Superbe. On va prendre histoire heureuse, ouais, grave. On a mis quoi? Le déjeuner est vraiment le meilleur moment de la journée. C'est le dîner, il est 20h, t'es pas en train de déjeuner? Est-ce que je peux taguer quelqu'un encore? Wolfgang, message amical. Je le harcèle, le mec, en fait. J'ai l'impression que Wolfgang a toujours les mots qu'il faut. Soutien moral ou conseil, il est toujours là pour vous. La meuf, elle le connaît pas. Ça fait... Tu sais, elle a passé une journée d'école, une journée au lycée, elle connaît pas les gens encore. Et elle est là en mode, ouais, on peut trop compter sur toi et tout. Mais pas du tout, tu le connais pas. C'est vraiment n'importe quoi, là. Mais par contre, elle a l'air de mieux s'entendre avec ses colocataires, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être mieux. Ma foi. Du coup, c'est quoi le résultat? Vous voulez le relooking? On fera tout à l'heure alors.
On fera carrément tout à l'heure. Connexion profonde nouée, des liens solides avec d'autres sims se rend heureux. Quelqu'un me comprend. Ok. Il pleut bergère. Non, elle est bien là. Elle est méga en confiance. Par contre, elle est encore furieuse. Contre les trolls, ça m'exaspère. Les gens n'ont donc rien de gentil à dire. Au niveau de son aspiration, elle est déterminée, on a dit. Il faut qu'elle commence une activité extrascolaire. Et ben, vous savez ce qu'on va faire là. On a 489 simflouz. On va essayer d'améliorer très rapidement cette chambre dans le mode construction. Parce que là, honnêtement, de vous à moi, c'est assez affligeant, quoi. On va pas se le cacher. On va pas se mentir. Alors, le lit. On va prendre, évidemment, pack lissé. Et ouais. Pack lissé. Est-ce qu'on pourrait pas se prendre un joli lit, là? Un lit double, ce serait trop bien pour elle. Genre celui-là. Oh, grave. Carrément, celui-là. J'ai déjà plus d'argent. Salut Jarvis, comment tu vas? Pourrait lui mettre... Oh là là, mais c'est trop mignon. Attendez, faites voir tous les swatchs que j'ai. Celui-là, il est trop beau. Ok, j'aime trop. On va aller dans les éclairages. On va se mettre les petits éclairages en bas. Merci beaucoup, Michouka. Merci beaucoup pour ton resub et ton 6e mois d'abonnement. Merci infiniment. N'hésitez pas à mettre plein de subs dans le chat. Voilà, j'ai repris mon abonnement. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Bon retour parmi nous. Le sol et tout, c'est terrible. Attendez, attendez. Il faut vraiment que je change ça. Hein. C'est pas possible. On va se prendre le même parquet qui est là, là. Et au niveau de la peinture, en vrai, on va dire qu'elle se fait une mini rénovation, quoi. Qu'est-ce qu'on prend? Ça va pas trop ensemble. Pardon. On pourrait faire ça. Écoutez. On pourrait faire ça. On va dire que genre elle a... Elle a fait un peu de peinture, tu vois. Et en bois foncé, on va dégager les rideaux. Voilà, ça nous rajoute un petit peu plus d'argent. ça va, merci, je reviens d'une marche de 8 km. Cool, c'était bien. Ça s'est bien passé. Je vais lui mettre ça aussi, ouais, grave. Je vais lui mettre un mur. Alors non, pas comme ça. On peut faire ça comme ça. Je sais pas trop. J'aime pas la couleur en fait. Du mur que j'ai choisi. Genre c'est trop... Trop fade ou je sais pas. Mm-hmm. En pastel peut-être que ce sera mieux. Vers le vert, là. Eh non, hein. Non, c'est trop dégueulasse. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que j'ai, moi, sinon, en mur... en CC, j'ai ça, carrément. Incroyable. Ouais. Largement, mais largement mieux. Attendez, si je fais ça... Mieux, ça. Oui, grave. Écoutez, on va mettre ce mur en CC. Ce mur en CC... je pense qu'il conviendra très très bien. Alison, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue, c'est gentil. On va... Mais vous savez qu'en termes de follow, on va bientôt atteindre les 6550, alors qu'on vient à peine de passer les 6500 ce soir. Vous êtes vraiment incroyable, hein. Merci beaucoup pour tout. Ok, ça c'est bon. Je vais laisser du coup ça de cette couleur-ci. Et dans année lycée, on va faire afficher tout. Qu'est-ce que je pourrais m'acheter? Des trucs pratiques, un petit bureau. J'aurais pas assez d'argent, je suis sûre. Je suis sûre que je vais pas en avoir de l'argent. Attendez. Ouais, non. Hein. Ah bah ça va être grave mort. Hein. Ah bah qu'on se le dise. On peut se prendre ça. Ça va être mort. Bureau. Ah, il y a celui-là sinon. Merci Saiko pour ton follow, bienvenue. Oh, moi aussi en octobre. Tu vas faire quoi comme étude? Ah, pardon, je vous lis pas. Désolée. On va se mettre peut-être le bureau juste là. On va lui changer de couleur. Et j'ai plus de sous, non. Une couleur sympa. Oh, violet, ça va trop bien en vrai. Merci pour tous vos follow, vous êtes trop chou. Merci beaucoup. Vous êtes trop trop mignon. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est incroyable. Merci du coup à Noéline pour ton follow. Bienvenue aussi. C'est trop gentil. Il est bien Sims 4? Ah bah oui. Moi j'y joue depuis que j'ai 8 ans au Sims 4. Hein.
J'adore, j'adore, j'adore. Cette chaise, elle ira très bien. Coucou Alison, bienvenue à toi sur le chat. Comment ça va? Ah, mais c'est assorti. On peut avoir carrément une parure. Mais j'aime beaucoup le côté violet, en fait. Les amis. Je sais pas, je... Ah, je suis en train de tout changer. Comme couleur et tout. Vous aimez bien comme ça? Allez, non, non, on va pas abuser. On va se mettre du jaune. Et là, du beige. Hmm. Wallpaper, attendez. Est-ce que... Je pourrais pas... Fond insuffisant. T'abuses? Ah ouais, mais j'ai plus rien. J'ai pas des trucs... Mais oui. Ah, mais le micro-ondes, il était là. Les amis, le micro-ondes est juste là, en fait. Ok, je sais pas pourquoi. Eh ben, vous savez quoi? Je prends de fou. Voilà. Je vais pas tout vendre parce que je suis pas comme ça. N'est-il pas? Hop. Je peux pas vendre ça? Ah, la pile de livres, ça, je veux bien la garder juste ici. Allez, 10 follow pour les 6500. Attendez, mais je sais plus à combien je suis, là. C'est un truc de fou, ce que vous faites ce soir. Hein. Vraiment, et tous les autres soirs, d'ailleurs. Merci beaucoup du soutien, vous êtes... Vous êtes trop gentil avec moi, vraiment. Je sais pas quoi dire. Merci, de petite C. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Ok. Sauf qu'il est énorme, par contre. Hop. On va mettre ça là. Ok. J'ai pas compris la question, Noéline. Ok, 750 simflouz. Bien. Ça, c'est GG, ça, tu vois. Année lycée. Il y a tellement de trucs, j'en peux plus. Il y a trop de trucs. Est-ce que vous croyez qu'on a de la moula pour se prendre un ordinateur? Dites-moi oui, par pitié. Non, j'ai aucune moula pour me prendre un énorme ordi. J'en peux plus. J'en peux plus, j'ai pas de moula. Qu'est-ce que je pourrais prendre de pratique pour le lycée, quoi, là? Ah, il y a ces... Ah, oui, il y a ces très jolis rideaux, là, qu'on va pouvoir mettre là et là. On va les mettre comme ça. Je vais les rapprocher. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Si, c'est bon. Hop, on va pouvoir les rapprocher juste là, comme ça. J'aime bien la couleur, sinon on a quoi d'autre? Trop jolie. La couleur de base est jolie, hein. Elle va bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup comme ça. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit tapis? Mais par contre, je mettrais pas les tapis qu'il y a avec... qu'il y a avec année lycée, parce que pas ouf. C'est pas la folie, quoi. Oh, j'adore. Attends. Ah ouais, non, mais il y a trop de trucs, en fait. C'est incroyable. Ouh, ça. On n'a pas de lampe. On va mettre ça là. Hop. Attendez, mais là, moi, je suis en folie. On va le mettre comme ça, ici. Hop là. J'adore. Merci, Miwena, pour ton follow. Bienvenue. J'adore. J'aime trop. Mais par contre, pas d'argent pour se prendre un ordinateur. Ok, est-ce que j'ai assez de moula pour me prendre un tapis? Moi, je veux un tapis. Décoration, on va aller dans tapis. J'en ai un que j'aime trop, 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 trop. Je sais pas trop sur quel style je vais partir pour sa chambre. Je trouve que ça fait un peu automnal campagnard. Peut-être que on va dire qu'elle a mis les draps comme ça, vous voyez, parce que c'est l'automne en ce moment, d'ailleurs, effectivement. Et on peut dire qu'en fait, elle changera ses draps peut-être plus tard et elle changera de thème. J'aime trop. Le orange, comme ça, ça va trop bien avec le lit. Genre, regardez ça. Mais en revanche, je suis dubitatif sur le papier peint encore. Genre, je sais pas si ce serait pas mieux de donner une couleur plus accentuée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, celle-là... J'aime bien les couleurs chaudes, moi. Genre, je suis complètement... Genre, j'adore celle-là. J'adore celle-là. Je pense que je vais partir là-dessus plutôt et que... Les rideaux, on va pas mettre ceci, on va en mettre des jaunes. Ce sera mieux.
Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée et bon fin de live à mercredi. Des bisous, KitKat. Dors bien, repose-toi bien. Des gros bisous. Qu'est-ce qu'on a sinon? Ça, on a utilisé. Ça, fait voir. Alors, les swatchs, est-ce qu'on a du jaune un peu? Imprimé sur imprimé, c'est pas très joli, là. Je les aime bien, mais non. Je pense pas qu'on mettra ça. Ah, je sais pas trop, là. Je suis perdue sur mes rideaux. Je chipote, hein. Je chipote. Moi, j'aimerais bien des rideaux... Les plus petits sont pas mal, mais je pense qu'on va partir là-dessus, en fait. Ce sera mieux. Voilà. Plus d'argent. Plus du tout d'argent. Écoutez, la chambre n'est pas trop remplie, mais déjà, on est pas mal, hein. Elle peut venir faire ses devoirs et tout dans sa chambre, quoi. Elle peut carrément venir faire ses devoirs dans sa chambre. Bah, du coup, oh là là, elle est pas bien. Elle est pas bien du tout. L'hygiène, ça va pas. Tu vas aller prendre une douche. Ah, elle pouvait se raser. Eh ben, tu sais quoi, t'iras te raser demain matin. T'iras te raser demain matin. On va sauvegarder surtout pour rien perdre au cas où. Ouais, ça fait stylé. Vous aimez bien? C'est vrai? Tant mieux. Bah, après, je vous dis, elle a pas d'argent. L'argent, il va falloir qu'elle s'inscrive à une activité extrascolaire. Là, vous imaginez, il est bientôt 21h. Elle a pas fait ses devoirs. On n'a pas regardé notre emploi du temps de demain. On sait pas quel cours on a. On ne sait rien du tout. C'est trop la mouise, quoi. Désolée pour la ASMR. Merci MJM pour ton follow, bienvenue. Et coucou Mélanie, comment ça va? Ok, j'ai trop envie qu'elle se rase, mais demain. Genre, ça va être trop bien. Ok. Divertissement, c'est pas la folie, mais franchement, tu devrais vraiment faire tes devoirs. Hein. Tu devrais trop faire tes devoirs. Tu vas aller t'asseoir ici. Juste après, on va lui mettre ses devoirs là. Attendez, j'ai trop envie de... quoi encore? Elle est encore enragée, les amis. Elle est dans un abus de fou. Éclairage automatique. Bah oui, on est dans tous les éclairages automatiques. Mais ça, non. Ça, j'aimerais bien que on l'allume que cet éclairage. On va régler la couleur et l'intensité de cette lampe. On va la mettre genre... Oh, j'adore. Orange. Rose, carrément. Oh oui, j'aime trop. Non mais l'ambiance qu'on est en train de lui faire. Beaucoup de choses dignes de lapin sociable sont arrivées à Maé aujourd'hui. Ah, il s'est passé des choses les gars. Qu'est-ce que tu fais? Joue au ping-pong? Pas du tout, tu vas... Ah, elle veut pas faire ses devoirs. Elle est trop mal à l'aise. Elle me saoule. Ok, bon, elle a envie de jouer au ping-pong avec ses colocataires apparemment. T'es où là? Ah, ok, bon, écoute, vas-y. Joue au ping-pong avec Dustin. Ah, ah, au jupong. Ils veulent picoler? Allez. On va jouer au jupong. Let's go. Let's go jouer au beer pong des Sims, quoi. J'aime bien. C'est trop fou. Ouais, moi, si ça serait ma vraie chambre, ce serait trop bien. Mais elle est quand même assez vide, hein, pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Va ici. Pourquoi tu ne veux pas y aller? T'es coincée? Je comprends pas. Elle est buggée, ma Sims. Mais comment ça, tu peux pas passer? Va là. C'est une blague, elle vient d'aller se doucher et elle peut pas passer? Mais tu rigoles. Non, ça par contre, vous voyez, dans les Sims, c'est infernal, ça par contre. Bah ouais, mais t'as la place, hein. Eh bah tant pis, ça sera comme ça. Hein. Et là, tu peux y aller ou pas, du coup? Va ici. Elle se fout de... Ah ouais, j'ai failli l'embrouiller. On va jouer au jupong. Avec Dustin et Cassie, du coup. Voilà, on va fêter la rentrée. Parce que je vous dis, là, c'est la rentrée. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire le point d'exclamation Let's Play pour ceux qui rejoignent ou qui découvrent ou qui ont envie de savoir ce qu'on est en train de faire. Et le contexte, on est au premier épisode, en fait, de 16 ans malgré moi. Et la personnage principale, c'est Maé, qui... je sais pas ce qu'elle fait. Elle me fatigue. Elle est tellement enragée, elle fait n'importe quoi. Vraiment. Et du coup, elle habite en colocation avec bah, Cassie et Dustin. Voilà. Allez, allez-y, jouez. Je suis sûre que... Ah, c'est les filles contre les garçons. Enfin, les garçons, du coup, que monsieur... Attendez, je vais regarder en même temps qu'il joue. Lapin sociable, apparemment, il s'est passé plein de trucs. Ah, j'ai reçu un message. Il m'a pas répondu. Maé, nous avons essayé de vous contacter à propos de l'extension de la garantie de vos réfrigérateurs. Quoi de neuf, Maé? Mais ça veut dire que Wolfgang, il m'a jamais envoyé de message.
Mais même Greta, en fait. J'envoie des messages aux gens, ils me répondent pas. Mais par contre, Cassie et Dustin, ils m'envoient des messages pourris. Nouvelle publication, on va poster à propos d'un voyage. Apparemment, elle a déjà envie de se barrer. Que commande un squelette à tes tendances, un bubble tea et une serpillière. J'ai envie de crever. Ah, j'ai envie de crever. Ah, t'es... Ah, Maë, là, vraiment, de manière très très honnête et véridique, t'abuses. T'es dans l'abus de fou. Je n'aime pas du tout tes blagues, là. Je n'aime absolument pas tes blagues. Elle picole et elle boit. Eh, ils sont à égalité au beer pong, hein, avec la modération. Vous êtes en train de parler entre vous, ouais. Le réseau social, c'est Twitter, en fait. C'est ça? C'est ça, mais je joue de temps en temps avec mes amis, mais très clairement, je ne sais pas viser. Tu ne sais pas viser? C'est pas si compliqué, en vrai, hein. Quand on est très très motivé, on peut s'en sortir, je te jure. Bien joué, Cassie. Elle est trop forte. On va le défoncer. En même temps, on est deux contre un. C'est un peu de la triche quand même, non? C'est carrément de la triche. C'est bien, Dustin, c'est bien. Cassie, je m'en fous. Oh, par contre, elle est tellement fatiguée. Elle est trop 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 fatiguée. Il est 23h34. On n'a pas fait nos devoirs pour demain. Ouais, elle est très mignonne. Allez, Marc! Mais non! Maë! Mais elle pleure. Non, mais c'est quoi cette réaction pourrie? Elle pleure, du coup. Elle n'y arrive pas, elle pleure. Ah bah voilà, bah super. Il prend un point, hein, du coup, hein. Le beer pong dans les Sims, c'est quelque chose, hein, quand même, hein. J'adore son style, ça me fait penser à Emily in Paris. Ah, c'est vrai, la tenue d'hiver, c'est vrai, j'avoue. Bah voilà, bah heureusement que Cassie, elle est là pour lever le niveau, là. Eh ben purée. Ouais, on a gagné, ouais, bah c'est pas toi, hein. J'avais jamais vu l'interaction, et top. Elle est bien, hein. Oui, on a gagné, ouais. Bah c'est bon, il a picolé. Nous, on est très très fatigués, ça ne va absolument pas. J'aimerais quand même qu'elle essaye de faire ses devoirs, hein. J'aimerais vraiment qu'elle se focus là-dessus. Il faut que je me concentre à retrouver les chambres aussi, surtout. Faire tes devoirs, tu peux pas, parce qu'elle est mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle a? Pire journée de sa vie, encore. Eh ben, je lui ai enlevé, ça m'a saoulé. Fais tes devoirs, c'est bon, là, on va pas faire la mauvaise élève. Et on n'a pas un ordinateur qui traîne dans cette chambre, dans cette maison. Ah, mais la chambre, elle est verrouillée. La chambre, elle est verrouillée. Peut-être... Ah, peut-être que en bas? Y a pas un ordinateur qui traîne en bas? Ah oui, non, non, mais c'est la mouise, en fait, hein. C'est carrément la misère. Dustin, il a... Oh, Dustin, il a un PC. Il pourrait peut-être nous le prêter. Oh, Dustin, sois sympa. On va aller regarder ce qu'on a au lycée. Ouais, lycée, consulter l'emploi du temps de la classe. On connaît pas notre emploi du temps. Il est minuit 23. C'est pas possible. On connaît rien. On est au bout de notre vie. Elle est hyper fatiguée. Elle va pas réussir à les terminer, je pense. Ou alors, elle va finir par s'évanouir ou j'en sais rien. Les autres, ils sont en train de dormir en plus. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, du coup, tu vas sur l'ordinateur. Elle va le déranger. Ok. Qu'est-ce qu'on a du coup demain pour l'emploi du temps de la classe? Alors, demain, on est mercredi. Il y a quelqu'un qui passe par une phase. Demain, on est mercredi. On a art plastique le matin. Oh, peinture, trop bien. Et informatique l'après-midi, programmation. Ok, donc demain, art plastique et informatique. Et au niveau du calendrier... Il me semble qu'on n'a pas d'événement avec le lycée. Non, on n'a pas d'événement. Je n'ai pas oublié qu'il fallait que je relook l'autre. Vous avez dit que vous voulez l'appeler Lucas, c'est ça le mec? Elle finira pas, hein. Elle finira pas. Pleurer sur la vie de manière théâtrale, c'est quoi ça? C'est quoi ce sondage? C'est quoi ce sondage? Les modos, ils se défoulent. Vous êtes en train de dormir. Ah, apparemment, les modos, ils ont envie de travailler, hein. Donc, n'hésitez pas à beaucoup parler dans le chat, hein. Indécis, c'est mon deuxième prénom. C'est vrai? Qu'est-ce que... Eh ouais, non, mais vraiment... regardez là, l'autre. Pourquoi tu pleures? Il n'y a pas de raison. Ouais, c'est ça. Faut des follow, faut des subs, faut une hype, je sais pas, faut une sirène pour vous réveiller. Attends. Elle est au bout de sa life. Va vraiment dormir, genre. Ça sert à rien de forcer. 2h du matin, t'es pas bien. Toi, tu fais quoi? Ok. Mais va te coucher, toi, en vrai. Comme ça, le temps passera plus vite. C'est ça, ta chambre. Dormir. Allez, go. Je joue en même temps, c'est pour ça. Et oui, il y en a beaucoup qui le font, ça. De jouer à côté. Moi, perso, je dors. Ah bon? Bah, pour quelqu'un qui dort, t'es assez vive, hein? T'es assez vive de fou.
Tu peux cliquer sur ton Sims, aller dans l'option lycée pour voir ton emploi du temps. D'accord, ok, Marco. Nice. Coucou, Love, comment ça va? Eh ouais, non, mais... Dustin, dormir. Non, on veut la vitesse x3, ça c'est le problème, tu vois. C'est que la vitesse x3, tu l'as pas forcément. Geekam, merci pour ton follow, bienvenue. On est bientôt aux 5550, c'est fou. Ok, debout, 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 debout. Debout. Elle a faim, la vessie, tout ça, tout ça. Allez, le petit pipi. Utilise ça. On va aller se faire un petit, une petite douche, non? Elle peut pas aller se raser, là? Elle est où, la salle de bain? Elle est là. On va pas la voir. Attendez, moi, je veux la vraie douche. Elle était où? Là. Je m'apprivoise l'endroit, vraiment. Raser. Rase. Tes poils de jambes. Ça va, merci, l'autre. Très, très bien. Merci beaucoup. Vas-y, vas-y, on va aller au lycée, là. Tu vas plus avoir le temps. Oh non! Voilà, bah super. Et bah tu vas y aller, heureusement que tu portes un pantalon, hein. Sélectionnez les élèves à suivre. On y va tous les trois. Et dès qu'on croise Wolfgang, on lui fait un mini relooking pour qu'il soit beau. Pareil, j'essaye de remettre mes modes et mes... Mais... Il manque un mot dans ta phrase, Tismé, non? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Pendant le chargement, je vous invite à ne pas hésiter à me rejoindre sur Discord et les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, parenthèse, j'ai sorti une vidéo YouTube pour ceux que ça intéresse. J'ai sorti une vidéo YouTube tout à l'heure dans l'après-midi où je vous ai exposé mon top 3 des meilleurs packs d'extensions à mon sens dans les Sims 4. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller là-bas. Vous pouvez faire le point d'exclamation pack pour avoir toutes les infos aussi. Mais Mishoka, faut que tu remettes à jour tes modes plutôt. Ce pack devient de plus en plus désagréable. Sérieux, t'arranges un bug, t'en as un autre qui réapplique. J'ai eu tous les bugs qui existent depuis la sortie du pack. T'es sûr que c'est pas la mise à jour qui bug? Oh, elle est au bout de sa life. Parce que c'est la mise à jour surtout qui a posé le plus de problèmes et pas le pack, hein. Tu refais quand la famille des voleurs et de tueurs? Quand tous les modes que j'utilise seront bien à jour. Donc j'espère d'ici la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine, ça devrait revenir. Ouais, non mais t'as faim et tout. D'ailleurs, elle n'est pas passée par une phase, j'ai eu une musique de phase. J'ai eu carrément une musique de phase tout à l'heure. Non. Ah non, mais c'est juste qu'elle est triste en fait. Qu'est-ce que t'as? C'est le moment de porter du noir. Ah, c'est ça! Je suis triste parce que je suis triste. Tu ne peux pas comprendre, personne ne me comprend. C'est sec, hein. Achète des encas parce que t'as faim. Ça va et toi, Christine? Non, mais mon ordi est vieux surtout. Il tourne déjà mal le jeu sans les mods. Alors, avec, c'est compliqué. Ah oui, je comprends, c'était un vieux PC, ouais. Forcément, il y a un moment donné, ça devient un peu plus dur, ouais. Petit gâteau à la crème. Ouais, pour le petit-déj, c'est bien. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On peut même pas s'acheter à manger. Les gars, on est dans la grosse daube, hein. Elle a même pas ses devoirs sur... Oh! T'as même pas tes devoirs sur toi! Les packs sur les Sims, c'est sur n'importe quel ordinateur. Oui? Tant que tu as un ordinateur qui peut supporter ton jeu. Mon casier, il est où? Il est là, mon casier. Ah oui, je peux manger une pomme! C'est gratuit, ça! Ça va sonner. Non, c'est bon. On a encore du temps libre pendant 59 minutes Sims. Donc ça, c'est bien. Faut que tu ailles te manger une pomme. Voilà. Si quelqu'un sait quel mode bloque le bal de promo, je suis preneuse. Mais ça se trouve, tu as un mode qui bloque, hein. Moi, je te conseille d'aller regarder chaque site un par un et vois lequel est à jour. C'est tout. Va voir lequel est à jour. Sinon, va sur le site de Candyman Gaming dans l'index des mods. Généralement, ils arrivent à mettre à jour les modes, à vous dire en fait quels modes sont buggés ou pas, ou sont compatibles ou non, vous voyez. Donc vraiment, faites ça, quoi. T'as mangé ta pomme? Ouais, ça marche pas trop. Il est où? Il est où? Il est là. Verrouillez la caméra. On le relook ou pas? Allez, go, vous avez voté oui tout à l'heure. On va le relooker vite fait. J'ai fait la méthode du 50-50. C'est pareil. Bah, après, si t'as fait la méthode du 50-50, ok. Mais je te dis, à tout moment, t'as un mode qui est pété et tu l'as pas remarqué, tu vois. Et il fait bugger un truc en particulier. Moi, bon, après, je sais pas ce que t'as comme mode. Allez, relooking. On l'appelle comment du coup? Je suis en train de le faire. Courage. Courage, courage. La méthode du 50-50, selon le nombre de modes que t'as, c'est long.
Joseph Goumao. Si, ça a remonté un tout petit peu, Mélanie. Du coup, on lui change de prénom, on a dit. Il est vraiment vilain, hein. Il est vraiment, vraiment vilain. C'est quoi ta voix? Mais du coup, c'est joie. C'est mieux, ça. Oui, il paraît que c'est à cause de l'âge, ouais. On va l'appeler Lucas, du coup. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit Lucas dans le chat. Je vais laisser. Parce que j'aime vraiment pas... Par contre... Oh! Ignoble! Ennemi public! Ah, mais c'est vraiment le bad boy du lycée, lui. Il est ignoble et il est ennemi public. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a des sourcils hyper épais. Par contre, ça, moi, je trouve pas ça du tout logique qu'il ait les yeux qui sortent, qui rentrent autant, en fait. Et je vais le mettre en blond, blond, blond. Donc, en fait, sa couleur naturelle, ça veut dire qu'il doit être châtain, quoi. Alors, attends. On va lui mettre quoi comme sourcil? Wow. Ouais, non. Soyons cohérents au niveau des yeux, s'il vous plaît, là. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'on lui met? Oh, on peut lui mettre cela. On peut lui mettre cela. Attends. On peut lui mettre ça. J'explique la méthode du 50-50 sur une vidéo YouTube si jamais ça vous intéresse, les gars. J'ai fait une vidéo YouTube qui s'appelle le guide ultime des modes. Et si vous voulez discuter de ce genre de sujet-là, vraiment, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Parce que c'est là au moins où vous pouvez en parler entre vous. Parce que là, dans le chat, ça va être trop compliqué, les gars. Ça va être trop compliqué. Vraiment. Jenny, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue. Merci, merci. Tout en chanson, je te l'ai dit, ça. Ok, ça, c'est bien. Il est maquillé, en fait. Alors, sans maquillage, tu ressembles à quoi? Oh, quel enfer! Oh non, je voulais pas faire ça. Je voulais pas du tout faire ça. Il a des yeux trop chelous, en fait. C'est vrai que le maquillage, ça lui va bien. Coucou, Jenny! Bienvenue à toi sur le chat, comment tu vas? On va lui mettre quoi comme petits yeux, là? Il est pas beau! Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est, ça va pas du tout. Ouvre un peu les yeux, ouvre un peu. Ok. On va lui rentrer ça légèrement. Parce que je vous dis, c'était trop bizarre là. Ok. On verra après pour le reste. On va lui mettre des CC, du coup. Les petits CC qui font plaisir. Qu'est-ce qu'on va lui mettre à lui? Alors, j'ai ça. J'ai ça qui est pas mal. Ça, ça lui fait bizarre un peu. Ça, ça rajoute beaucoup de texture, j'aime bien. J'aime bien sur lui, ça. Sinon, j'ai ça. Attendez, je vais enlever lui, je vais voir. Je regarde pour relooker le monsieur. Il a une testasse un peu bizarre, hein. on va pas se mentir. Hein. Il a une testasse chelou un peu. J'aime pas trop. Le nez, je vais pas le bouger, c'est ses traits de base, tu vois. J'ai juste un peu bougé... comment on appelle ça? Dégage, dégage. J'ai bougé un peu les yeux parce que je les trouvais... Enfin, ils ont pas une forme normale, tu vois, pour moi. Je vais lui mettre ça. Bah, je vais pas le laisser chauve. On va, tu vois, genre, les yeux, ils sont trop... bizarres. Hop. Un peu plus grand. Ouais, comme ça, peut-être. Non, mais chauve, j'aime pas. J'aime pas du tout chauve pour lui. Je ne l'imagine pas chauve en fait. Alors les cils, on va lui mettre des tout clairs comme ça, plus petits. Ouais, comme ça c'est pas mal. Déjà, je vous assure qu'il a plus de gueule le type. Hein. Il a plus de gueule, ça fait plaisir. On va lui mettre ceci. Le mec a pris un gros coup de soleil. Et on va lui mettre... Je vais pas lui mettre ça, je pense que je vais lui mettre des fossettes sur les côtés. Parfait. On va voir, je vais lui mettre une petite barbe, activer la pousse des poils, bah ouais, oh, forcément. Oh, ça, ça pourrait bien lui aller en fonction de ce qu'on lui met comme... de ce qu'on lui met comme, comme cheveux. Sinon, il y a ça après. Il fait premier de la classe, là, en chauve, je sais pas. Attendez, on va regarder les cheveux. Et je vais essayer de lui mettre des cheveux un peu, genre, décolorés. Waouh. Non, mais regardez ça. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. On est dans l'espace-temps, là. Sinon, après, j'ai ça. Il me fait penser à quelqu'un. Il me fait trop penser à quelqu'un, c'est fou. Merci, Clochette Martin, pour ton follow. Bienvenue.
Après, on peut lui mettre les cheveux longs, mais je n'imagine pas trop cheveux longs. Non, ça, il me fait penser à qui? Je crois qu'il a des faux airs du mec dans Big Bang Theory, limite. Genre, je sais pas, le nez comme ça. Non, je trouve pas qu'il ressemble à Zac Efron, pour le coup. Je trouve qu'il ressemble à Sheldon. Le nez, la forme du visage longue comme ça. Non. C'est Sheldon, le mec. Je crois que je vais prendre ça. Je trouve que ça lui va mieux. On peut lui mettre des cheveux de couleur et tout. Non, mais regardez ça, quoi. Il ressemble à Thor. Non. Thor, il est pas comme ça. Ça, je l'ai trop mise. Attends. On lui met quoi comme coupe de cheveux, là? Ouais, le violet foncé, c'était joli, hein. Carrément. Ça, c'est trop basique. Sinon, il y a ça, mais j'aime pas. Hello, je viens de te découvrir. Merci, Clochette, comment vas-tu? Est-ce que toi aussi, tu joues aux Sims? La première, c'était laquelle? Je me rappelle même plus. Celle-là? Ouais, c'est vrai que la première, elle est pas mal, hein. Mais du coup, on va lui mettre une couleur excentrique, j'ai envie. Oh, comme ça! Lui, à la base, il était blond. Il était très blond blanc. Celle-là? Vous kiffez? Ouais, il y a un truc. On peut lui mettre comme ça, plutôt. Et je vais essayer de voir... Ok, vous avez l'air d'être tous d'accord pour mettre cette coupe-là. Donc ça va. Pas de souci. Je veux juste voir pour lui mettre des racines. Je veux voir si elles sont visibles. On va lui mettre des tatouages. On va tellement lui mettre des tatouages. Les racines se voient ou pas? Pas trop, mais quand même. Léa, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue. Ça fait un reflet. Oh si, ça passe en vrai. Ça passe en vrai. Par contre, la beubar, je suis pas sûre, tu vois. Tu l'as carrément tout modifié. Est-ce qu'elle va être encore amoureuse? Telle est la question. Après, je lui ai rajouté des CC en vrai. Hein. Je lui ai rajouté des CC. Je lui ai juste modifié ses yeux, j'avoue. Parce que ça, c'était trop moche. Hi, c'est pas beau. Oh non, non, non. C'était mieux avant. C'était beaucoup mieux avant. Ah, ça dégoûte. Non, j'aime pas. Ah, ça me... J'aime pas. J'avais mis quoi tout à l'heure? J'avais ça, non? Non, c'était quoi, mais... Oh, c'était quoi ma stage? C'était celle-là? Ouais, c'était celle-là. Ok, on laisse. Quand tu dis CC. Contenu personnalisé. Les lèvres sont affreuses. Il a les lèvres qu'il a, après. Tu vois? Il a les lèvres qu'il a. On va pas complètement dénaturer le mec, tu vois? Merci, Lotes27 pour ton follow. Bienvenue. Oh, vous êtes trop ouf. Il a l'air un peu vieux pour un lycéen quand même. Tu trouves? Moi je trouve pas. Par contre il est trop grand et il a une forme de corps très bizarre. Mais on va l'habiller, hein, on va le fringuer et tout. Mais c'est pas... Vous voyez ce genre de corps là? C'est... Enfin quand même ils ont des hanches les Sims, abusez pas. En plus il fait du sport et tout le mec. Bon, j'avoue, je l'avoue, hein. Je modifie un peu. J'aime bien faire des Sims qui sont aussi un peu à mon goût dans mon jeu, j'avoue. J'avoue, voilà, là, c'est un peu mieux. C'est mieux. Les poils, monsieur. Le mec ressemble à un cadavre. Vous êtes dur dans le chat. Faites attention à ce que vous dites, en vrai. Imaginez, il y a des gens qui s'identifient à ce mec-là et qui se vexent de ouf. Faites gaffe, hein. Poil au torse ou pas? Comme ça. Ouais. J'adore. Et les poils. Ouais, bien. Comme ça. Pas dans le dos par contre, hein, parce que... Je n'aime pas ça, j'avoue. On va lui enlever ceci. Les sourcils, pourquoi pas peut-être les éclaircir légèrement plus. Oh non, j'aime bien en fait. J'aime bien en fait. C'est vrai que la bouche, elle est chelou. Ah bah celle-là, elle est encore plus chelou. Mais il a une drôle de bouche, en fait. Mec! Ouais, je suis d'accord que la bouche... elle était un peu bizarre, quoi. Voilà. On va dire que c'est mieux.
C'est vrai que en fait, la forme était chelou un peu. Ok, on va valider ça. Nous allons maintenant lui mettre des tatouages. Tac, tac, tac. Il a des airs d'un Kurt Cobain maintenant, le chanteur de Nirvana. Et vous allez me trouver tout le monde, vous. Vous me faites trop rire. Alors, qu'est-ce qu'on lui met comme petit tatouage? En mode, tu vois? Non, pas la hanche du tout, ça c'est un truc pour... qui ne correspond pas trop. Par contre, ça c'est bien, ça. Ou ça? Attendez, je réfléchis. Il est carrément stylé celui-là, je trouve. Il est carrément stylé celui-là. Un tatouage rebelle. Bah ça, je trouve que ça fait rebelle. Il y a un style un peu manga. Genre le mec, ça se trouve, il pourrait regarder des mangas, tu vois. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Allez, je vais valider ça. On verra pour le visage, les piercings et tout. Je le maquillerai sûrement aussi parce qu'il avait du maquillage à la base et ça, je kiffe bien. On va mettre année lycée. Ouais, j'aime bien le bras tatoué, ouais. Alors, ouais, nul. Enfin, nul. Pas, ça ne correspond pas à ce que je recherche. On va l'habiller, je vous dis, avec le pack année lycée. Comme ça, ça vous permettra aussi de voir un petit peu ce que le pack propose. Alors, qu'est-ce qui ferait grave rebelle? Il y a ça, mais on ne peut pas changer les swatchs de ce haut-là. Donc, il y aurait ça, mais pour moi, ça ne fait pas du tout garçon rebelle. Il y a ça, veste en cuir noir basique, et on peut lui mettre un jean troué. Ah ouais, non, mais toutbidon.com, alors. Fais voir ça. Eh ouais, mais non, les gars. Ah, ça. C'est pas du tout ce que je veux faire pour toi. Fais voir ça. Oui. Je vais trouver une solution. Attendez. Je suis là. Ouais. Non. En noir, fais voir ce que ça donne. Il est trop court, le pantal, hein. Ouais, vernis noir, carrément, Michoka. Mais attends. Je suis un peu en PLS, là. J'aime pas sur lui. Je vais pas utiliser un jean du pack. Je viens de te croiser sur TikTok, tes ongles sont ouf. Ah, merci, c'est gentil de venir me suivre de TikTok, d'ailleurs, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup pour ça. Et merci pour le compliment pour mes ongles. Bah, je les refais... je rechange mercredi. Mes ongles. Tu veux voir ça? Et ouais, mais non. Je vais essayer de voir style gothique. On va voir ce que ça vaut, ce truc. Contenu, non, spécial, style... Y'a pas un truc genre rocker, allez, si tu veux, rocker. Ah! Mais oui, loup-garou! Mais bien sûr! Mais oui! Loup-garou! Oh, mais j'avais oublié ce détail! Loup-garou, ça lui irait trop. C'est un baby-boomer, non? J'adore trop ces canons. Ouais, carrément. C'est exactement ça, c'est un baby-boomer, tout à fait. J'adore. Mais oui! Ouais, bon, non, là, par contre, c'est un peu abusé. Ça! Oh, là, on voit son tatouage! Mais du coup, je vais pas mettre le jean comme ça. La meuf ne sait pas où elle a mal. Ah, ça, c'est mieux! Regardez, c'est quoi un baby boomer? Désolé, je suis un boomer tout court. Je vais te montrer. C'est ça. Mais tu vois, ils ont bien poussé quand même. C'est une espèce de French qui est carrément fondu en fait. Merci Razor pour le follow, bienvenue. C'est une French hyper fondue, tu vois. C'est ça, en gros. J'aime plus cette tenue. Je le trouve tellement BG dans les autres tenues que là... Elle est où? Elle est où ta veste? J'ai pas compris. Elle est où la veste? Je comprends pas. Ah, parce que c'est année lycée, on a dit. Ouais. Montre-la moi. J'aime plus. On dirait un mec qui fait de la F1 un peu. On dirait un mec qui fait de la F1, mais j'aime pas du tout. Franchement, je vais lui mettre un O à moi. Désolé. Mais c'est comme ça. Game over. Dior. Ouais, Dior, tu dis.
Moi, j'ai un truc de rock. J'ai pas ça. Je veux qu'on voit son tatouage, en fait. Balenciaga. Ah! Ça, c'est bien, ça. Ok, je vais le prendre en photo. Je vous mettrai la photo sur le Discord. Je viens de remarquer qu'il avait un piercing caché là-haut, là. Et c'était pas du tout ce qu'on voulait faire de base. Hop, dégage. Voilà. Là, il est bien. Let's go. On le prend en photo. Je vous mettrai du coup les photos là-bas sur le Discord. Ça va être trop bien. Oh, vous savez ce qu'on peut lui rajouter? Oh, je vais être dans le toujours plus. Une cicatrice. Mais on la voit pas à cause de mon... Ça me fait chier. On voit pas mes... on voit pas les cicatrices à cause de mes CC. Tant pis. Salut, est-ce que le pack vaut la peine? Moi, je trouve qu'il vaut la peine. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend de ce que toi, tu en fais. Le CUS, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le mode construction. Après, j'ai fait un stream où on en parle et on en discutait le samedi dernier. Il y a la rediffusion sur Twitch, si ça t'intéresse, si tu veux voir un petit peu. Moi, je trouve quand même qu'il vaut le coup. Après, il y a des choses qui manquent dans le gameplay, il y a des choses qui manquent énormément, il y a pas mal d'interactions qu'on s'attendait à avoir et qu'on n'a pas, donc il y a une assez petite déception générale sur le gameplay de ce jeu, mais j'ai envie de vous dire quasiment comme tous les packs des Sims, hein, forcément, mais là il y a des mods qui sont en train de sortir au fur et à mesure, qui sont très très cool et qui vont rajouter au fur et à mesure plus de piquant dans ton gameplay, tu vois ce que je veux te dire. Donc écoute, moi sur une note sur 10, je mets 7 au pack, je le trouve bien, je le trouve très correct, et je trouve que malgré tout, les émotions de mon Sims, nos Sims sont beaucoup plus développés, que les interactions hors école sont très très cool, et quand tu télécharges, comme je disais au début, un nouveau lycée et tout bien rempli, etc., où il y a des choses à faire, et que tu te crées une vraie histoire avec un gameplay, franchement ça peut passer. Moi j'aime bien, j'aime bien. Voilà, après, encore une fois, excusez-moi, 40 euros pour ça. 40 euros quand même, hein. Genre là tu cliques ici, ça je l'ai compris la dernière fois, tu appuies là et ça fait plein de pauses. Regardez-les. Bon, ça, c'est les poses de base qu'on connaît. Oh, celle-là, on la connaît pas. Elle fait trop la belle. Si, vas-y. La connaissant, elle va vouloir trop faire la belle. Là, c'est la pose en mode... Attends, viens là. On vous voit pas dans le cadre. Pourquoi vous êtes triste comme ça? Oh, elle est cool, celle-là. Oh, on va se faire des photos tellement bien. Je vais vous les mettre sur le Discord après. Non, pas l'amour, c'est encore trop tôt. On va pas spoil l'amour pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, ça... Oh, bah... Ah non, ça c'est triste, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Il y a celle-là. Oh, trop stylé. Mais pourquoi elle est coupée? Mais c'est dommage qu'on puisse pas tourner à fond. Ah, c'est trop trop... C'est trop trop nul. Attends, sinon ça c'est quoi? C'est Rêveur? Ah, je les aime trop, en vrai. Vous trouvez pas qu'ils iraient trop bien ensemble, nos Sims, là? Ils iraient beaucoup trop bien ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose. Vas-y, on va prendre cette photo-ci aussi. Voilà, le petit selfie qui fait du bien. Là, qu'est-ce qu'on va prendre encore? Elle est trop belle, celle-là. Allez, on va prendre celle-ci également. Voilà! Où trouves-tu les CDC? Les CDC. Qu'est-ce donc? Ah ouais, est-ce que vous êtes Team Maë et Lucas dans le chat? Personnellement, j'ai été harcelée dès mon plus jeune âge à cause de mon physique. Cela m'a tellement marquée que j'ai très peu de vie sociale. Je comprends. Je comprends, c'est les conséquences de ce que t'as vécu et c'est terrible, quoi. Ça fait chier. La fin, la fin, la fin, j'ai faim. Non ! Eh, je suis dégoûtée. Maë et Lucas les plus beaux. Oui. Alors, Maë, il n'y a pas de H si jamais vous voulez écrire l'orthographe du prénom au max, tu vois. Je l'ai écrit sans H. Genre, elle s'appelle Maë, tu vois. On va voir s'ils vont se mettre en couple, on sait pas, hein. Il y aura une séance de préparation à l'examen après les cours aujourd'hui. Tous les élèves peuvent nous rejoindre dans la salle de classe 2 pendant autant de temps qu'ils le souhaitent. La présence n'est pas obligatoire, mais gardez à l'esprit qu'il y a un examen vendredi. Veillez à vous y préparer. Vous lâchez vos téléphones, là, avant le début du cours. L'autre, elle était assise par terre devant la prof. La classe numéro 2, c'est celle-là. Donc là, après les cours, on a un examen... Enfin, on peut réviser les examens, c'est ça? Attendez... Ouais, aujourd'hui. Ok. Bah, je sais pas si on va avoir du coup un truc qui va s'afficher ou quoi pour nous dire. Là, madame, elle est en train de faire son cours de... d'informatique, non? Dustin, assis-toi.
T'es dans l'abus. Et ça nous augmente nos compétences d'ailleurs, hein. Regardez. Là, elle est en train d'augmenter sa compétence en programmation. Elle est en train de bien écouter. Les cracks niveau visage. Ah, les CC, tu veux dire ? J'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube, si jamais, Maëlys, ça t'intéresse, pour télécharger des mods et des CC, c'est pareil. Et il y a plein d'autres vidéos où j'ai créé des Sims, où j'ai... Enfin, tu vois, j'ai fait des petits let's play et tout, où je partage dans la barre d'informations mes contenus. Et sur le Discord aussi. Voilà. Ok, l'autre... Dustin, il s'est barré du cours, t'es sérieux ? D'accord, ok. Ben, écoutez... J'adore, regardez l'ambiance. Ambiance cours, ambiance classe. Oh, j'adore. Elle se prend en selfie? Non mais, meuf. T'es folle. Attends, il s'en va. Bilan de fin de journée. Les professeurs ont ramassé les devoirs et fait sortir leurs élèves. Certains Sims se traînent encore dans les parages, mais tout le monde a le droit de rentrer à la maison au vu des performances des élèves dans leurs devoirs et en cours. Voici le résultat obtenu. Maë a rendu du bon travail et a pris des notes de façon efficace aujourd'hui. Cassie a impressionné ses professeurs aujourd'hui et a beaucoup appris. Et Dustin, non. Dustin, il va aller se faire voir ailleurs si j'y suis, Zéza. Non, non, il s'en va, l'autre. Il est où? Non. Ah, il est pas... Ah, il va réviser. Ah, mais toutes les tables, elles sont prises aussi. Allez, à la préparation aux examens. On va y aller quand même. Hein. On se rappelle que son aspiration s'est déterminée. Il faut qu'elle fasse ses devoirs 5 fois. Il faut qu'elle révise. Il faut qu'elle commence aussi une activité extrascolaire. Donc, c'est ce qu'on va faire après. Également. Le téléphone en cours, t'as vu? Mais regarde. Là, vous êtes en train de préparer l'examen et vous vous en foutez. Carrière, quoi? Oh, il y a la proviseur. C'est la proviseur, elle, non? Ouais, madame... Mais pourquoi vous êtes là, madame Prescott? Je sais pas. J'ai pas... Je comprends pas pourquoi vous êtes là. Ça me saoule. Parce que vous êtes obligé de nous surveiller. Mais par contre, elle dit rien alors qu'on est sur notre téléphone. Est-ce qu'on peut en parler de ça? C'est... Je comprends pas. Vraiment. Et il dure combien de temps, le truc? Aller à la préparation aux examens. Genre, je peux arrêter à tout moment ou... Ça fait quoi de plus? Ah, c'est juste qu'elle est en cours. Cassie part à son entraînement de pom-pom Sims. Il faut vraiment qu'on s'inscrive. Oui, t'es tendue. Ok, j'ai compris. Carrière. J'ai bien envie de voir ce truc de carrière après. Elle est en train de prendre des notes, du coup. Ok, je sais pas trop de quoi. Maureen, merci pour les 3 bits. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Dustin, tu bois le café sur le bureau du proviseur. Du professeur. Non, mais... Qu'est-ce qu'elle a? Mal aux fesses. Parfois, cela arrive, on ne peut rien y faire. Ah, t'étais mal assise. Attends, est-ce qu'on peut parler avec lui ou pas? Lucas. Oh, regardez notre amitié, comment elle a augmenté. Franchement, on peut s'en faire un pote déjà. Est-ce que c'est devenu notre ami? Je pense que oui. Ami. Ok, elle le perçoit toujours comme extrêmement attirant. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question quand on était en train de faire le relooking. Vous m'avez demandé, est-ce qu'elle va toujours le kiffer parce que tu l'as quand même un peu modifié? Eh ben ouais. Eh ben ouais. Lui, il a plus de sentiments bizarres envers nous, mais nous, on le trouve toujours mal poli. Mais tu l'aimes bien, le mal poli, apparemment. Hein. Tu l'aimes bien, hein. Oula, t'as bugué de fou, ma poule. On va regarder la pince sociable. Attends. Ah, j'ai eu un message. Greta, j'ai commandé une poule et un œuf en ligne. Je te dirai lequel des deux arrive en premier. Super. Ah, Cassandra, si je gagnais un Simflouz à chaque fois que Maë faisait un truc cool, je serais pauvre. Oh! Merci? Non, attends. Quoi? Non, si, c'est positif. Attends. Si je gagnais un Simflouz à chaque fois que Maë faisait un truc cool, je serais... Mais non. Ah non, c'est pas très gentil en fait. Ah non, c'est pas très gentil en fait. Ah mais c'est très méchant en fait, je viens de comprendre la... Mais elle est en train de dire que je suis une bouffonne en d'autres termes là. Elle est en train de dire que je suis une bolosse. Et je lui mets un cœur. Ok. Ok Cassandra. C'est des petits connards, hein, les Sims, hein, dans ce lycée. Ils sont méchants. Cassandra, tu es une vraie tête à claque. Dès que je te vois, j'ai envie de me battre avec toi. Oh, oh, c'est trop. C'est trop. Non, c'est pas très gentil, non. Comment ça va, Béané? Ah oui. Petite mauvaise, va. Attends, on va envoyer un message à Greta.
Greta, on va lui envoyer un message amusant, genre on se fout de la gueule, tu vois. Maë, j'ai... Oh là là, elle lui répond la même chose, voilà. Humour de merde, répond la même chose, quoi. Est-ce qu'on peut ajouter des amis ou pas? Non? Allez rencontrer plus de Sims. Ça va, je suis au courant. Nouvelle publication. Allez poster à propos du déjeuner. On va mettre histoire stressante. Elle est un peu stressée aujourd'hui, je trouve. Je me sens submergée par la pression de l'école et le déjeuner est le seul moment où je peux souffler un peu. Voilà. Très bien. C'est ça. C'est cela même. Vous savez ce qu'on va faire? On va rentrer à la maison et on va aller à Trucmuche là. On va s'inscrire à une activité extrascolaire. T'as compris? Et après, on va aller à thé à la menthe là. T'as compris? Prendre le contrôle de ma... Comment il s'appelle? Thé machin. Rustitch. Elle en fera quoi de l'œuf et de la poule quand elle les recevra? Un poulet rôti et un œuf dur. Tes blagues, en tout cas, sont aussi pertinentes que celles des Sims. Merci, merci pour cette blague. Merci beaucoup. Attends. Alors. Ordinateur. Tes tendances. Merci, purée. Moi, j'étais là, t'es à la menthe. N'importe quoi. On va piquer tout ça, réseau social, lycée. Commencer une activité extrascolaire, réviser pour l'examen, consulter ses notes. Ah oui, on va consulter nos notes. On va également... on a zéro Sympos, il faut vraiment qu'on travaille là. Consulter ses notes, réviser pour l'examen. J'aimerais consulter l'emploi du temps de la classe. Et également, lycée, commencer une activité extrascolaire. Et vous allez me dire ce que vous voulez qu'elle fasse. C'est vous, le chat, qui allez décider de son activité extrascolaire, pour le coup. Cassie est rentrée de son entraînement de pom-pom Sims. Let's go, Cassie. Let's go, let's go, let's go. Ah, quelqu'un m'appelle. Hé, j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Lucas. Il est vraiment sympa. Oui, il est très sympa. Enfin, non, en vrai, c'est un connard, il est méchant. Mais ça, faut pas le dire. C'est juste qu'il nous plaît, tu vois. Maureen, merci pour les beats. Gamli, coucou, comment tu vas? L'humour est un art. Comme tout un art, il est subjectif. Il est vrai. Maë s'est connectée au site web du lycée de Copperdale pour consulter ses notes. Elle a C dans presque toutes les matières. C'est à peu près la moyenne, n'est-ce pas? Oh, c'est une merde. Oh non, Maë. Bon, après, on a fait que 2 heures de cours, donc enfin 2 jours de cours, donc en soi, c'est pas grave. Mon Dieu. Non, elle va pas nous piquer, Greta, je pense pas. Je pense pas du tout. Je sais plus. Bon, moi, je vais vous laisser, je m'endors là et j'avoue que j'ai une semaine assez chargée qui arrive. Je fais des bisous. Des bisous, Lilou, dors bien. Repose-toi bien, merci, merci. Membre de l'équipe d'informatique. Alors, on fait quoi? Soit on va au club de théâtre, rejoignez le club de théâtre en tant que membre du club. Évidemment, c'est du non rémunéré. Soit elle fait partie du club d'informatique, mais je l'imagine pas trop là-dedans. Membre de l'équipe d'échecs non plus, je l'imagine pas non plus dans ce délire-là. Football américain. Bah, en vrai, enfin, soit théâtre, soit pom-pom girl. Vous savez quoi, les modos, est-ce que vous pouvez me faire un sondage? J'ai le hockey, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez faire un sondage entre théâtre et pom-pom girl pour notre Miss Mae? Merci. Les modos trop efficaces. T'as peur tellement elles sont efficaces. Ah bah oui, le MCC, il a été mis à jour depuis le 29? 28, 29, je sais plus. Merci pour l'info, Alissa, en tout cas. Vous nous dites, est-ce qu'elle fait du théâtre ou est-ce qu'elle va faire la pom-pom girl? Sachant que déjà, Cassie est pom-pom girl. Donc, dites-nous. Dites-nous, dites-nous. Oui, ça va, merci, Gamli, merci beaucoup. Ça va très bien. Mon téléphone, il est en surchauffe, je crois. Non? Si, ça... Ouais. Terrible, un peu, hein. Terrible. Hop. Non, il a été remis à jour et là, j'ai mis à jour hier. Ouais, moi c'est vrai, t'as raison. Non, c'est vrai, t'as raison. Il a été remis à jour 2 fois, je l'ai remis à jour ce matin. Est-ce que tu iras à l'université après le lycée? Carrément. Carrément, parce que j'ai jamais joué avec université, du coup ce serait trop l'occasion. Vous avez voté pour théâtre, très bien. Rejoignez le club de théâtre en tant que membre du club de théâtre, vous jouerez dans des pièces locales et finirez par développer vos compétences en jeu d'acteur. Pleurer sur demande peut être utile dans certaines pièces et se sortir de certaines situations aussi. Impressionnez vos camarades de classe. Et vos parents avec votre capacité à vous mettre dans la peau de quasiment n'importe qui. Assurez-vous juste de ne rien faire d'embarrassant sur scène, car ces souvenirs dureront toute votre vie. C'est validé.
Ok. Du coup, c'est quand le théâtre? Le théâtre, on le commence dans 22 heures. Il faut qu'on atteigne le niveau 2 de la compétence charisme pour devenir une réciteuse de répliques. Et il faut qu'on s'entraîne à jouer ou à faire du théâtre en utilisant un miroir. Très bien. Et l'emploi du temps? Demain, on sera jeudi. Elle fait du commerce le matin et ça va augmenter la compétence charisme. Et ouais, c'est full charisme. Et langue étrangère l'après-midi. Donc demain, on augmente notre compétence charisme. Et ça, c'est bien parce que du coup, vu qu'on va augmenter la compétence, bah, grâce à l'école et tout, ça va trop nous faire avancer sur notre activité extrascolaire. Ça, c'est trop bien. Par contre, t'as pas fait tes devoirs, c'est chaud. Oh, elle est hyper fatiguée, elle est dans un état, Massim, c'est horrible. Ce pack et cette mise à jour sont tellement complets et rajoutent tellement de choses qui foutent tout en l'air. C'est la première fois que je galère autant à sortir, même via la campagne m'avait donné moins de fil à retordre. On a eu une grosse mise à jour, vous vous rendez pas compte, c'est ça le truc. On a eu une mise à jour, vous imaginez, on a eu les orientations sexuelles, on a eu les poils, on a eu plein de trucs qui changent complètement le gameplay aussi des Sims de manière générale. Donc oui, c'est logique, hein. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Ciao, ciao!